Une idée de quoi? Pourquoi tu accroches maintenant et moins avant Shadowbringer? Ah non, mais j'accrochais déjà avant en fait. J'accrochais déjà avant, c'est juste que bah. Je faisais d'autres choses en fait. Et je jouais avec un pote et il a arrêté de jouer. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais pas continuer sans lui. Et au bout d'un moment, ça m'a titillé. Je me suis dit, vas-y, j'ai trop envie de reprendre, j'aimais beaucoup, tu vois. Et j'ai repris solo et puis voilà. Trop envie de jouer à ce jeu, mais à chaque fois que je tente, l'immensité du truc me fait lâcher, c'est chiant. Bah, tu devrais. En fait, le truc, c'est que c'est progressif en fait. L'immensité du truc n'est pas visible dès le départ en fait. Tout est très progressif. Tout était progressif, hein, globalement. Merci Asgore pour les 13 mois, merci beaucoup. Tout est très progressif. Moi qui vais dans le restaurant. Ouais, faut pas rush et prendre son temps, aussi pour découvrir le jeu, je suis d'accord avec ça. Merci Galim, pour l'année. Merci beaucoup. Tu joues F14 sur ta chaîne principale maintenant, c'est étonnant. Non, c'est pas étonnant parce que je suis payé pour. Question assez importante, j'ai commencé mon free trial sur Steam, et du coup, est-ce que je suis obligé d'acheter le jeu via Steam ou non? Alors j'en ai aucune idée. Faut que tu ailles sur leur horrible site. Je devrais pas dire ça, mais c'est la vérité. La vraie difficulté du jeu. Le contenu vraiment extrême du jeu, c'est l'achat du jeu. Pour le vrai. C'est ça le plus compliqué en vrai. À la station Mog. C'est pas la dingue. Mais ça vaut le coup. I catch your tears. Ni, ni, nu, nu, nu. Ouais, achat de F14 Savage. Hein. Vraiment, je comprends rien au paiement, c'est un truc de fou. Hein. Tout est nickel, hein, mais ça, c'est toujours le petit problème, ça. Hein. Un jeu chronophage? Ah bah si tu décides de t'y investir, oui. Oui, complètement. Je joue sur PS5 d'ailleurs, nickel à la manette après quelques heures. Oui, et le jeu est assez bien optimisé pour la console. C'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Ça reste un MMO, donc oui, ça reste chronophage, hein, effectivement. Je connais pas de MMO non chronophage, malheureusement. Ouais, c'est clair. Après, tu peux jouer à ton rythme, hein, vraiment. Rien ne t'oblige à faire quoi que ce soit. Voilà. Tellement hâte de la mise à jour graphique. Ouais, ça va être cool, hein. Franchement, ce qu'ils ont montré, c'était vraiment cool, hein. Petite refonte graphique. De meilleure lumière, meilleurs ombrages. De meilleures textures. J'ai mis les doigts dans la récolte et le craft, j'avance quasiment plus dans l'épopée tellement c'est prenant et bien fait. Ouais, la récolte et le craft dans le jeu, c'est un truc... c'est un sacré bail, hein, effectivement. Un sacré bail. Le jeu est casual friendly, communauté compris. Oui, tout à fait. C'est absolument le cas. J'ai hâte pour les Hrothgar femmes. Ça n'a pas encore été annoncé, je crois, mais oui, ça devrait arriver. Hein. Déjà qu'il y a eu les Viera Mal qui sont arrivés avec Endwalker. Je n'ai joué à aucun FF simplement, alors j'ai un peu de misère au début à suivre le lore. Et ça va, on rattrape assez vite. Mais en fait, t'as pas besoin de jouer à un autre FF pour comprendre le lore du jeu. Tous les FF sont indépendants. T'as pas besoin d'avoir fait les autres hein, pour comprendre ce qui se passe. Merci Sirtouk pour les 2 mois, merci beaucoup. Mmh.
Seul petit problème pour les nouveaux, peut-être le temps d'attente de certains donjons early en tant que DPS. Ah oui, ça peut être effectivement un peu plus long, oui. Ça peut être un peu plus long, oui. Je joue pas, bah je discute avec les gens. Si, on a joué. J'attends que Florence, elle débloque Alpha Stis 1, je crois. Le cinquième raid Omega. Oui, il y a ces diapos en mode J-pose, mais avec diaporama. Ou ça va sur des PNJ, c'est ça? C'est ce truc-là. Hein. Oui, d'accord. Waouh. Pourquoi ça a été mis en pause? Je veux pas que ce soit mieux. Waouh. Non mais là je crois que c'est parce qu'il y a personne là où je suis. Ah c'est Sigmastis, c'est ça. Merci Mirka pour le Prime, merci beaucoup. En DPS ça peut être la mort. Ouais il y a des fois, mais moi après c'est parce que je joue tard. Hein. Les premières fois que je faisais certains donjons j'ai attendu longtemps effectivement. Target un truc avant de l'activer. Rien. Let's go. Mais du coup, là, ça target des joueurs, ça. C'est des joueurs, ça. Rire de droite. Ça target des joueurs. Merci Charlie Vary pour les 20 mois. Mitsu Kane pour le sub, merci beaucoup. Rire de droite. Oui, bientôt, tous les gens de l'épopée pourront le faire avec des PNJ pour que ce soit un peu plus en mode solo. Tout à fait. Oh là là, mais regardez, c'est au secours. J'aurais jamais dû faire ce mode diapo. Hein. J'aurais jamais... J'aurais jamais dû faire ça. J'aurais jamais dû mettre ce mode diapo. Et mais attends, Charlayan, c'est... regardez, ça devient la nouvelle Limsa Lominsa ou quoi, là? C'est la nouvelle Limsa Lominsa, Charlayan, ou comment ça se passe, là? Ça devient Curseland? Ah, si vous voulez, je fais ces diapos à Limsa Lominsa, et là, c'est la cour des miracles. Hein. Là, c'est la cour des miracles, hein. Let's go. Là, on va voir. Y'a personne? Ah, si, c'est juste que ça n'affichait pas. Je me disais, c'est impossible. Sur quoi allons-nous tomber cette fois? C'est vraiment cursed, hein, Limsa Lominsa. Hein. C'est vraiment, vraiment cursed. Hein. Rien qu'au son, vous savez que c'est cursed dès le départ. Hein. Vous savez déjà que c'est cursed. Le seul truc qui m'a repoussé, c'est une certaine commu bien trop weeb. Le jeu est génial, mais ça me rebute un peu ça. Pas du tout. Ce n'est pas le cas, si c'est totalement le cas, bien sûr, évidemment. Très bien joué. Ça se passe, c'est cursed. C'est la cour des miracles ici, généralement. La place de l'éthérite de Limsa Lominsa. C'est vraiment l'enfer. Hein. Comment tu lances ce mode slash C diapo. Hein, c'est avec Bard que je joue de la musique. Ah merde, mes pièces de barde, putain, j'ai dû les... J'ai dû faire de la merde avec mes pièces de barde. Les gens qui utilisent programme tiers pour jouer de la musique avec le barde peuvent-ils se faire ban d'ailleurs? Je me suis toujours posé la question. Je pense pas. Je ne pense pas, en vrai. Pas du tout même. Ils ont parlé des programmes tiers, en fait, dans une conf. Et ça allait, tu vois. Ils sont pas fans, hein, ils encouragent pas le truc, mais ils acceptent tant que vous en faites pas la promotion, il me semble. Je suis là, mais je l'ai pas du tout fini, parce que du coup, comme ça sort 4x4... Ah oui, c'est 4x4, tout à fait. Une cinématique. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça va, ça te plaît pour l'instant? Ouais, c'est trop cool, ouais. Non, bon, c'est cool, alors. À part le deuxième, la catastrophe, là, qui était un peu naze, j'ai trouvé, mais le reste... Ouais. Merci le cheval de Mintos pour les 18 mois. Le petit train, bien sûr. Du coup, c'était juste pour tenir au jus, dès que j'y retourne. Vas-y, vas-y. Une fois, j'ai recyclé mon stuff de mage blanc. Ouais, moi, c'est pareil pour les tanks. Je fais pareil. Truc que j'utilise assez peu.
Ah, que vous soyez au train. Ah oui, 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 on va se taper contre le train de FF6, oui. Le train fantôme. Hein. C'est vraiment curse ici. Hein. Tu restes jamais longtemps ici, tu en sors assez sale. Hein. Pour le barbe, ça n'a pas d'impact toxique contrairement aux parts. Oui, 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 complètement. Pour ça, je pense qu'ils s'en foutent, hein, des programmes tiers pour la musique. Après, je pense que je suis en sponsor et du coup, je dois pas spécialement encourager le truc, tu vois, mais je pense qu'en vrai, ils s'en foutent un peu, tu vois. Y'a quoi de cœur si je comprends pas, j'avoue. Parce que je ne reste pas là-bas, en fait. Parce que je ne reste pas. Si tu vas là-bas et que tu traînes un peu longtemps là-bas, tu vas commencer à voir des choses que t'as pas envie de voir, tu vois. Tu vois. Le ERP, par exemple, ouais. T'as beaucoup de sexe RP, effectivement. Effectivement. Tu vas croiser Ultia. L'autre fois, on l'avait croisé complètement par hasard, là-bas. Il y a les gens nus, tout à fait. Genre des Lalafell, par exemple. Je pense que c'est bien de croiser des gens qu'on connaît sur un MMO OMG. Bah, pas beaucoup, en vrai. Bah, après, ça dépend, tu vois. Si vous êtes sur le même serveur et tout, là, il y a quand même des chances, tu vois. J'ai vu un chocobo musculeux en train de faire des squats sur trois Lalafell couchés par terre à l'Imsa Lominsa. Ça ne m'étonne pas, effectivement. Ça ne m'étonne pas. Pas étonné. Putain, mais le CDAPO est dégueulasse, là. Parfois, il y a des concerts sympas là-bas. Oui, ça peut arriver, effectivement. J'ai changé de cam d'APO avec un clic. Non, c'est pour la mettre en pause. Merde, on est encore en guerre, mais pas vraiment, mais bon, c'est tout comme. Qu'est-ce qu'il a dit, en gros? Il a dit quoi, Macron? Macron? Il a dit quoi? Il a dit quoi, Macron? Rien qu'on ne sait déjà. Ok. Eh bah bien. Il a dit qu'on était à fond pour l'Ukraine, en gros. Ok. Il a juste passé une tête, quoi. Et ça a l'air d'être un peu ça. Merci, wow. Pour les 3 mois, merci beaucoup. Our thoughts and prayers. Dear President Vladimir Putin, if I was your mother... Rire de droite. Hop. Merci Asbel pour les 5 mois, merci beaucoup. Oh, oui, ça et les prix vont augmenter. Bah ça, c'est sûr. C'est sûr. Ah, c'était Tab pour changer de cam dispo. Non. Qui me donne des trucs, là? Ah, mais c'est Ultia! Mais si, mais elle est vraiment là, en fait. Mais elle est dans le jeu, encore une fois, mais hors live. Mais incroyable. Qui me donne? Elle donne une monture? C'est quoi, elle tue? Non, c'est quelle monture, ça? Alors, c'est pas Ultia qui me le donne? Oh! Ok. Merde. Refais.
Refais, j'ai annulé sans faire exprès. Merci. Merci beaucoup. Bien sûr. Lucia qui joue quoi ? Invoque, 31. Un invocateur de niveau 31. Let's go. Que fait-elle à l'IMSA, bien sûr. Merci pour la monture, hein, les gens. Mais filez pas trop non plus. Je veux voir la monture, bien sûr. Attendez, je vais sortir. Je vais sortir. Mais attends, je t'ai pas du coup... Hop là, accepte ma requête d'ami. Tac. Ah, c'est une monture de Eureka. Putain, énorme. Comme ça, les gens croiront que j'ai fait Eureka, alors que pas du tout, quoi. Allez, gigo. Oui, je vois à quoi ressemble, j'ai déjà vu cette monture. Elle attend des partenaires pour faire du RP chelou. Elle a déjà commencé, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Du coup, la nouvelle monture... Tac. Let's go. Pouf. Oh, let's go. Ok. Let's go. Pas très bien. Ma combienième monture ? 73. Merde, j'avais pas activé la reverb. My bad. Merci Kappa Magna pour les 9 mois, merci beaucoup. Hop là. Ouais, c'est Ozma, la vraie monture de fou de Eureka. Ozma, elle est trop cool, c'est la boule. Pente sur elle-même là, qui a des réflexions. Là. Elle est trop cool. Elle est vraiment nice là. Je crois par contre qu'avec la version 16 jusqu'au niveau 60, tu n'as pas accès au servant. Alors ça, c'est très possible effectivement. C'est très possible effectivement. Tu veux montrer un aléa contre un boss? Oui. Bah lui, il y en a un là-bas, mais enfin... J'ai déjà fini mes aléas de labyrinthos. Après, c'est pas très intéressant, en vrai. Les aléas contre un boss... Surtout, je vais pas les faire tout seul. Et je peux pas le faire tout seul. Fameux Chi qui spawn dans 15 minutes. Mais j'ai la monture, hein, je suis content. Hein. J'ai la monture Chi, hein. Elle est très bien, moi, je trouve la monture Chi. Elle est où? Merde. Là. Je vérifie niveau. Mon personnage, il est dedans. Il est dans l'écran. Hop là. D'ailleurs, c'est clairement un truc du Red Omega aussi, encore une fois. Merci Raquette TV pour les 8 mois. Ça raccroche les 3 mois, merci beaucoup. Ah, c'était horrible le Chi. Hein. C'était horrible, horrible. Se taper là. Mais j'attends Florence, hein. J'attends Florence, hein. Comment on l'a, celle-là? T'as un, ce qu'on appelle un world boss, c'est un aléa qui spawn de façon assez rare dans la dernière zone de Endwalker. Et il faut le faire deux fois. Globalement, faut le faire deux fois. Faut dire, c'est une purge. C'est chiant, c'est long, t'attends, c'est relou. T'as un site qui s'appelle Faloup, je crois, quelque chose comme ça, qui t'aide à savoir les probabilités pour que l'aléa se déclenche prochainement. Il spawn une fois toutes les 72 heures, je crois. Il est dans une fenêtre de 72 heures, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on a cette monture. Avec Discord, c'est tranquille. Ouais, mais ça peut aller vite, en vrai. Tu vas en faire chi, mais ça va, je l'ai fait en télétravail. Let's go. Et tu peux faire des aléas pour augmenter les chances d'apparition, tout à fait.
Évidemment, j'ai toutes les zones sauf la dernière de Walker. Ah oui, mais là, je vais pas la montrer en plus. Hein. Elle est giga spoilante. Elle est giga spoilante, la dernière zone d'Anne Walker. C'est vraiment probablement le plus gros spoil que je peux te montrer de tout le jeu, je pense. Il y en a un à t'avenir aussi, tout à fait. Bah, c'est lui qui m'a donné d'ailleurs ma mascotte que j'ai là. Daivadipa. Il apparaît à Tavener. Il peut te donner le glam pour t'habiller en éléphant, bien sûr. Spoilante, mais tellement qu'ils font tout, la dernière zone, c'est une dinguerie. Hein. Après, je préfère quand même la dernière zone de Shadowbringer. La dernière zone de Shadowbringer, pour moi, c'est vraiment la plus grosse claque du jeu, je pense. C'est vraiment une dinguerie, je trouve, la dernière zone de Shadowbringer. Ça coûte combien, jeu plus extension, c'est pour un pote? Alors, il est gratos. Le jeu de base, plus la première extension, sans limite de temps. Et ensuite, je sais plus les prix pour les trois autres extensions après. Ouais, la tempête, tout à fait. La deuxième partie de la dernière zone, évidemment. C'est de ça dont je parle. Ça aussi, c'est un truc que je ne montrerai absolument pas en live. En fait, je peux montrer plein de trucs très bien, tu vois, mais les trucs les plus incroyables, je peux pas les montrer. Parce que c'est vraiment trop du spoil, quoi. L'avant-dernière de Anne Walker est meilleure que la dernière, je trouve. Je suis d'accord avec toi, c'est ma zone préférée d'Anne Walker aussi, que je ne montrerai pas aussi également. Et l'abonnement, je crois qu'il est à 9,99, si je dis pas de bêtises. J'ai peut-être de la merde, en vrai. J'ai atterri le plus loin, mais en voulant regarder la suite du second live sur Elden Ring, ça coupe brutalement au bout de 5 heures, je comprends pas trop. Ma box a crash, tout simplement, et j'ai pas pu redémarrer internet pendant plusieurs heures. Voilà pourquoi. Non, 10,99, pardon. 10,99 l'abonnement, pardon. €10,99, 11 balles quoi. Moi j'ai des trucs à faire et tout, mais j'ai pas spécialement envie de le faire en live et tout. Moi je suis surtout là pour faire de la démonstration, pour vous montrer des trucs. C'est quoi ça déjà? C'est le train? Ah oui, c'est le train, je pense, celui-là. Stigmatis 1.0. Oui, c'est le train. Ah oui, le train. Ça va être marrant, ça. C'est pas gratos, alors. C'est gratos jusqu'à la fin de la première extension, si. Si, c'est gratuit. Jusqu'à la fin de la première extension. D'ailleurs, s'il y a une page, je suis intéressé. Si tu veux, vas-y. Tac, t'es où? Hop là. Non! Ah mais t'es déjà en équipe en fait, remember. Donc c'est dead. Ah non, c'est dead, faut que tu quittes ton équipe. Il n'y a que 100 heures de campagne gratuite, après faut payer 10 balles. Attends, j'avoue que 100 heures quoi. Enfin, t'imagines quoi. Bon, je peux t'inviter. Let's go. Et en plus, c'est généralement beaucoup plus que 100 heures. Généralement, pour arriver à la fin d'Event Sword, il faut bien 150 heures, je dirais, un truc comme ça. Je sais pas où on est, Florence. Pourquoi je pourrais jamais jouer à ce jeu alors que fan des FF paye un jeu jusqu'à la fin des temps, quelle arnaque? Bah non, pas du tout. C'est le principe généralement des MMORPG. Hein. T'as beaucoup de MMORPG qui fonctionnent comme ça. Hein. Jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que tu décides d'arrêter de payer, en fait.
Je pense qu'il y a un peu cette mentalité un peu pourri gâtée, je trouve, chez certains gamers. Excusez-moi. Hein. Je pense que certains jeux gratuits vous ont pas spécialement fait plus de bien que ça, en vrai. Moi, je préfère mille fois un jeu payant comme ça, plutôt qu'un pay-to-win ou un jeu pseudo-gratuit qui, en fait, l'est pas tellement, tu vois. Vous avez le droit d'arrêter la labo entre deux extensions. Vous avez le droit d'arrêter la labo quand vous voulez. Hein. Combien d'heures de jeu? J'en ai plus de 3200, apparemment. Même les devs disent de jouer à d'autres jeux. C'est vrai qu'ils ont dit ça, oui, effectivement. Play something else. Ils ont une communication très spéciale, hein, vraiment, les gens de ce jeu, globalement. Je trouve très très bonne, très transparente. Très transparente et très... très... Ouais, bon, tu peux flex, vas-y. Bravo. C'est la monture la plus chère. 50 millions. Bravo à toi. Petit raid en attendant. Qu'est-ce que je pourrais faire? Mais sauf que là, va bientôt arriver, en fait. Des raids intéressants, ça pourrait être ceux de ceux d'Eden. Ou sinon, je refais... je les fais en normal, genre, typiquement... Les larmes du pandémonium, mais je pense qu'elle va arriver d'un instant à l'autre, en fait. J'attends Florence. Florence qui débloque les raids Omega, en fait. Rire de droite. Elle débloque les raids Omega. Merci le Carme pour les 4 mois, merci beaucoup. Je sais pas comment vous faites pour rester en quête comme ça. Bah, je m'en bats les couilles, en fait. Ces quêtes-là, t'as pas à les faire spécialement. Je sais que sur certains autres MMO, bah, il faut faire les quêtes sur la carte et tout. Mais si tu fais ces quêtes-là, c'est uniquement parce que t'as un côté complétionniste, tu vois. Un côté complétionniste qui veut le faire, c'est vraiment pas nécessaire du tout. Ça changera pas grand-chose la plupart du temps. Donc en vrai, tu t'en fous, quoi. Man Walker, j'ai pas eu trop de temps. J'ai joué que les deux premiers mois. La campagne était incroyable. J'ai slacké 200 heures dessus, ça m'a coûté 50 balles, aucun regret. Et je reviendrai pour une suite de MSQ, ça me coûtera que 10 balles, un DLC de qualité. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Même F14 et la boutique n'est pas mise en avant dans le jeu. Non, elle est quasiment jamais mise en avant dans le jeu. Peut-être parce qu'elle est codée avec le Q aussi. Ça c'est encore une fois peut-être une théorie, tu vois. Ça c'est une théorie, hein. La boutique du jeu, les sites liés à F14. Hein. Elle est mise en avant dans les quêtes que fait Florence. Ah bon? Non. Enfin, ça me dit rien. Non. Je me sens pas avoir vu une seule quête où ça met en avant la boutique. Oui, il y a des gens qui ont écouté Macron dans le chat. Apparemment, il a rien dit d'intéressant. Ah, la tenue d'Omega. Oui, mais sauf que dans le jeu, il te pousse pas à te dire « Eh, au fait, si tu veux la tenue du boss de fin de Omega, tu peux aller sur la boutique. » En fait, c'est ça. On parle d'incitation dans le jeu, c'est ça le truc. À aucun moment, le jeu te fait ça, quoi. Ah, il t'indique que tu peux acheter la tenue des forges dans une certaine boutique. Ah ouais. J'avais jamais fait gaffe. Il y a encore call to action vers les microtransactions dans le jeu. Non. Effectivement. Merci beurre de micel sur 20 pour les 6 mois, merci beaucoup. Oui, surtout, ils l'ont sorti 5 ans après le boss, oui, effectivement. Bon, vas-y, hein, je lance cette merde en attendant. Hein. Ah oui, mais merde, putain, c'est vrai que...
Bon, vas-y. Hein. Je dis sous l'équipe en attendant parce que là, du coup, je fais rien. J'ai envie de faire ça. Un de ceux-là. Hop là. Voilà. On va faire l'hippocampe. L'hippocampe de ses morts. Enfin, il s'appelle l'hippocampe, mais ça n'est pas vraiment, hein, finalement. Le pire... Non, c'est le plus facile, je trouve, hein. Let's go. Hippocampos. Ready when you are, guys. Merci Anadou pour les 19 fois, merci beaucoup. Non, c'est le premier plus facile. Ah, moi je trouve que c'est celui-là le plus facile. Et le pire, c'est le phénix, je suis d'accord. Là, vous y allez ou... On y va? Non? D'accord. Ouais. Non mais sérieux, on s'en fout, vas-y là. Let's go. Très bien. Ils font vraiment le truc comme si on était sur du Savage. Allez, allez. Let's go. Tranquille. Il est tranquille de fou. Il est... C'est niveau... Pour enfant, celui-là. Hein. J'ai pris l'aggro au début ou comment ça se passe? Ils avaient peut-être pas eu le temps de mettre leur stance. Bien sûr. Na 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 na. Hop là. Merci Oepinko pour les 3 mois, merci beaucoup. Antoine ? Oui ? Ah bah du coup j'ai lancé un truc, hein, du coup. J'ai une bataille, j'ai une bataille. Ah, ok, ok. Non, okay. Mais c'est juste que c'est long. Oui, oui, oui. T'inquiète, t'inquiète. Y'a pas de soucis, vas-y, fais ta bataille. Je te fais en juste, je te fais une petite mage de sens à autre. Mais... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. T'as lancé quoi ? Un des raids de Endwalker. Ah d'accord, très bien. Bah je reviens plus tard. Oui, et à toutes. Du-du. Hop là. En vrai, il est très tranquille, lui, moi, je trouve. Si je meurs sur celui-là, j'offre 10 subs. Hein. Alors, si l'un d'entre vous est heal dans l'équipe, ne faites pas exprès de me faire mourir pour cette raison, bien sûr. Ouais, il est tranquille de fou. Hein. Hop là. J'ai l'impression que depuis que j'ai dit ça, on me soigne moins, quoi. Bref, bizarre. Hop là. Pour les bébés, hein. Par ici, les amis. Attention, il est juste en face. Attention, toi, là-bas, tu vas prendre cher. Attention. Voilà, c'est bien. Un peu tôt. La classe pref, j'en ai plusieurs. Mais ma main classe, c'est vraiment machiniste. Mais je sais pas si c'est ma pref en vrai.
C'est celle que je maîtrise le mieux, que j'ai le plus joué. C'est sûr. It is sure. Vraiment tranquille. Ça vaut le coup F14 si on découvre complètement les MMORPG. Oui, moi ça a été le cas aussi. Hein. Ça a été le cas également, donc aucun souci. J'aurais pas dû faire comme ça. C'est pas grave. J'ai pas optimisé comme il fallait. Machiniste, c'est quoi comme rôle? C'est DPS physique à distance. Il a un gun, quoi, en gros. Globalement, il a un gun. Reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Pourquoi tu... Reste avec... Mais putain! Je devais devoir reprendre. Mais pourquoi il est pas resté avec moi? Quel idiot! Putain, mais quel con, quoi. Excusez-moi, j'ai été toxique. Je suis toxic player sur le jeu, globalement. Putain. Oui, j'offre 10 subs après, mais c'est même pas de ma faute, hein. C'est pas parce que j'ai mal joué, hein. Que le gars il voulait pas que rester avec moi, quoi. Terrible, hein. Vraiment terrible, hein, ce qui s'est passé, hein. C'est honteux même, hein. Oulala, oulala, c'est quoi ça? Oulala, oulala, j'y vais pas, hein. J'y vais pas. Là j'ai mal joué, par contre j'aurais peut-être dû y aller en vrai. Rire de droite. Ta gueule. Merci Mucus de Vert Crasse pour le sub. Il do something. Du coup, 20... Non. Ah non, j'ai dit... dans la... Ah non, vous voulez me ruiner. Moi, 20 subs, je... Putain. Aïe, ah, d'agro. Apparemment, notre... C'est qui qui avait l'agro? Notre mage blanc a pris l'agro à un moment. Merci, Kaliten. Pour les deux, c'est beau faire. Ah, ça a commencé. Attendez, j'offre les subs à la fin du combat. J'en offre 10. Le off-tank a jamais mis sa stance. Ah mais voilà, hein, c'est pour ça qu'on meurt, hein. Excusez-moi, hein. C'est Kaliten pour les 3 mois. C'est pour ça qu'on meurt, hein. Jamais de ma faute, hein. Toujours la faute des autres, hein. Très important de le savoir, ça. Toujours de la faute des autres. Nana. You do. Oui, c'est pas un tank, c'est un DPS bleu, ouais, c'est ça. Rire de droite. Hop là. À la cool, à la cool, à la cool.
Je n'en ai pas. Je vais quand même en prendre. Je vous en prends deux. Je vais rien dire, bien sûr. Great community, guys. Great playing. Restez là, restez là. Ne vous barrez pas. Merci. Merci. Let's go, let's go, let's go. Et sur quel serveur? Au moins Zodiark, il y a zéro français, je suis sur Spriggan. Mais Zodiark, je crois pas que c'est un serveur européen, si? Ah, peut-être que si. Mais généralement, les francophones, ils sont plus sur Chaos. Si, mais sur Light, est-ce? Bien joué-je. Merde, j'ai encore pas une fois bien opti. La même que tout à l'heure. Nanana. Tranquille. Ça aurait dû venir sur Chaos. Ouais, sur Chaos, il y a beaucoup plus de français. T'inquiète, je te laisse de la place, bro. Hop là. C'est bon. Hop là. Ou non. This way, guys. Bien sûr. Maintenant, dans tous les cas, ça aurait rien changé, en vrai. Barre-toi. Hop. Reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Oula, mais j'ai plus de vie, là. Allez. Allez, j'annule l'OP. Merci à tous. Et le 30... Non, non, ça sera 10, c'est tout. Hein. Ça sera juste 10. Hein. Hop là. Ouf. Je crois qu'on m'a pas heal après le moment des trucs sur ma gueule. Là. J'avais vraiment plus de vie du tout. Boum. Boum, 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 boum. Putain, mais du coup, je suis 8ème en termes d'aggro, quoi. J'étais 2ème tout à l'heure. C'est parce que je suis dead. Salut. Oh putain, 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 hop. Ok. Toujours la faute des heals et puis celle des tanks, bien sûr. Des tanks, bien sûr. Ah non, mais c'est jamais le DPS, hein. DPS did nothing wrong. Hein. Hop là. Vas-y, je LB là. Non.
Alors comment ça se passe, hein, cette petite affaire? Comme ça? Ouais, ok. Loin. Peut-être que j'ai avec le groupe en vrai. Hop. Ah oui, super, merci à tous. On sent le bienvenu en tout cas. Girafles, hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Oh là 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 là, ça my bad. Ça c'est mon gigabad, bien sûr. Ça c'est moi qui ai mal joué. Et j'avoue. Là j'avoue, sans problème. J'avoue, sans problème, j'ai mal joué, bro. Pas de mauvaise foi, hein. Allez, venez avec moi. Stay with me, guys. Tout va bien. Ça, c'est rare qu'un DPS foute la team en entier dans la merde. À part en Savage, en extrême, tout ça, mais... Rire de droite. Ça peut arriver. Ok. Oula. Je suis vraiment pas bien placé. Là, c'est mieux. Bon, il faut mourir là, monsieur. Il vous reste 9% seulement. Il vous reste 9%, messieurs, dames. Allez, il faut mourir. Ah. Hop là. Voilà, c'est bien. Le LB du... De l'invocateur. L'invocateur qui va crever parce qu'il est sur les... Oh là là, non. Oh, c'était peut-être pas le moment de LB en vrai. Tac, 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 hop. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Allez, on le finit tout seul. Ouh, baby. Oh non, il refait ça. Il refait son attaque. Je vais crever. Fais ça, toi, fais ça. Je suis mort, mais c'est fait. Allez, voilà, merci. Bien joué. Je n'honore personne. Let's go. Faut utiliser troisième souffle, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Attends, j'ai quoi? C'est les jambes qu'il me faudrait, mais ça va prendre 1000 ans. Ouais. Vas-y, je prends quand même. C'est pour les jambes, c'est ça, ouais. Oh, le beau 38, là. Oh, le beau 38 que j'ai lancé, là. Merci, le Kiwix, pour les 20 mois. Betia, les 6 mois, merci beaucoup. Ah, Florence, elle a toujours pas fini son truc, là. OMG. Ça me dégoûte. Ce qui vient de se passer me dégoûte vraiment. Là, je sais que c'est mieux que ce que j'ai là, mais... Bon, vas-y, je reprends un bijou. Hein. Guess not. Bon bah, écoute. D'accord. Hop là. Oh, les 3 rolls ratés, là. Ah oui, pardon, faut que je fasse un truc. Faut que je vous offre 10 subs. Enfin, faut que je m'offre. Faut que j'offre 10 subs à Jeff Bezos. Enfin, faut que je m'offre. Faut que j'offre 10 subs. Ta gueule. Let's go. Hop là. Ah, merci beaucoup. Patrick Balkany sait qu'il pourra compter. Merci beaucoup, Antoine Daniel. Pour les 10 subs offerts à la communauté, merci beaucoup. Très généreux de ta part. Merci beaucoup. Si la communauté pouvait prendre exemple sur toi, vraiment, oh là là, ce serait incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Oula. Quelle est la propale? Non. Mais non, 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 non. Non. Non.
Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas celle-là. Non, tu peux pas faire ça. Vraiment, je me sentirais sale. Non, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter ce Mikoshi doré. C'est le truc à 50 millions de gils. Je ne peux pas accepter. Non, je refuse. Je refuse. Donne-le à quelqu'un d'autre du chat. Si vous... La première personne arrivée ici, serveur Spriggan, Labyrinthos, sur ce toit de bâtiment, pourra prendre cette monture à 50 millions de gils. C'est Reaper High pour les 4 mois, merci beaucoup. Non, j'ai pas accès. Ah, dommage. Dommage. Non, je veux la fierté qu'elle vienne de moi-même, celle-là. J'ai pas envie de me faire... J'ai pas envie de ça, en fait. Je prends pas de plaisir à ce qu'on me donne trop de trucs. J'ai accepté la monture de tout à l'heure. Et c'est parce que c'était un truc Eureka et ça... Mais ça, je compte l'avoir par moi-même. Personne ne vient. C'est quand même incroyable. Hein. Je crois que ta monture, elle a bidé, mec. Est-ce qu'on est à côté ? On est à côté d'une éterrite en plus. Hein. Marée humaine incoming. Personne ne vient. Non, non. C'est bidesque. Hein. Personne ne joue au jeu en réalité, c'est que les bots. Hein. 100%. Ah ! Et voici l'heureux gagnant. Bravo à lui. Hop là. Ah, je vois quelqu'un qui arrive, mais c'est trop tard! Ah non, il vient pas en fait. Ok. Je sais pas trop ce qu'il veut. Antoine! Oui! Eh bah, ben, dis donc. Bah, c'est long, je suis désolé. T'en as pris le temps. Mais... C'est toi que je viens de refuser. On a essayé de m'offrir une monture à 50 millions de gils et je l'ai refusée à l'instant. Bah, non, faut pas se faire PL. Ah, c'est pas vraiment du PL, c'est pas ce que j'appelle du PL, mais j'ai envie de l'avoir par moi-même, tu vois. Oui, voilà, donc, oui, moi j'inclus ça dans... Oui, bien sûr. PL, oui, c'est pour aller plus vite et tout, mais... 50 millions, ouais, ça représente combien de temps de farm ? Pas mal, en vrai. Ah, ça y est, les gens, ils arrivent enfin. Mais c'est trop tard. Parce que, alors, du coup, j'ai dit, la première personne qui arrive, du coup, à l'endroit où on est avec le gars, gagnera la monture, du coup, et là, du coup... Voilà. Du coup, t'as des... petit attroupement gentil. Yeah, c'est dans une zone d'Unwalker, du coup il y a des gens qui n'ont pas accès à ça. Ah oui. Donc voilà. Si t'es crafter en 3 jours, c'est plié les 50 millions. Ouais, enfin après voilà. Faut avoir envie, tu vois. Mais oui, effectivement. Si t'es crafter, récolteur, effectivement. On lâchait tout en fait. Je crois que c'est chez les 4 tribales Namazu, je crois. Dans la plaine, dans la steppe d'Azim. Antoine ne se fait pas PL, il se fait Luigi. Oh là là. Oh, elle m'a fait rire, ça. Oh, allez. Oh là 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 là. Non, ah non, c'est dans le Mordona, pardon. Il y a quelqu'un qui a juste répondu non. Majuscule au début, avec un point à la fin. J'ai envie de le ban. De quoi qui a dit quoi ? J'ai dit, c'est probablement dans la steppe d'Azim, il y a juste quelqu'un qui a fait non. Majuscule avec, au début de son N et un point à la fin. Ah oui. Ah oui, c'est désagréable, effectivement. Oui. Non, je te laisse là, hein, bien sûr. Mais que ça ne se reproduise plus. Mais ça ne se reproduise plus, bien sûr. Du coup, t'as débloqué... Sigma 6-1. Le train, le petit train chouchou. C'est le train de la hype. On va se battre contre le train de la hype, messieurs, dames. Quoi ? Pas chez moi, Antoine. Non, mais on va se battre contre le train de la hype. On va se battre contre... Ah, mais attends, Sigma 6, c'est un train ? Oui, c'est un train. Ah, je croyais que tu t'étais pas mute et que tu parlais du... Pas du tout, c'est littéralement un train que nous allons affronter. D'accord. Très bien. Je t'ai pas invité dans l'équipe. Et j'invite Remember qui voulait être là aussi. Tac. C'est littéralement un train. Let's go. C'est un boss. Du coup, Sigma 6, c'est FF6. Le premier truc, c'était FF5. Maintenant, ça va être FF6. Et la troisième partie, c'est natif FF14. Enfin, okay. Omega est quand même une ref à FF5, quand même, à la base. Shinryu aussi, d'ailleurs. Hop. Musique des boss de FF6. Ah, chaque année, oui.
Pas joué au jeu, mais je la connais. Ouais, la bataille décisive, tout à fait. Decisive battle. Oublie pas de tuer les fantômes avec la lumière. Alors, encore une fois, c'est un boss dont j'en ai pas trop de souvenirs. C'est pour ça que la personne te dit ça. Oui, il faut tuer les fantômes avec la lumière, j'en souviens plus du tout. Et oui, c'est la forêt fantôme de FF6. C'est la forêt fantôme de FF6. Il faut se mettre à 8, appuyer sur une cible et bam. Let's go. Ah oui, j'étais trop loin. Je m'attendais pas du tout à ça. Ah, c'est un boss de FF6. Ah, les fantômes. Il faut faire quoi avec eux? Rien. Loin, loin du train. Tac, tac. Je sais plus ce qu'il faut faire. Okay, ils ciblent des fantômes, je sais pas ce qu'ils font. Oh, je me souviens de rien. Ouais, go suplex le train. Ah oui, d'accord, ok. C'est à moi de tuer le fantôme avec la lumière qui me suit. Ok. Ah oui, d'accord. Oh non, j'ai raté, j'étais trop... Oh putain, j'étais trop... Il en reste un. Merde, c'est baisé. Non, c'est où le groupe? Hop, c'est là. Oh, la musique est très forte dans ce coin. Ah, c'est le tchou-tchou-tchou-tchou-tchou qui est vraiment fort. Alors, ils vont avoir la lumière, les deux qui sont ciblés, il faut qu'ils aillent sur le fantôme là-bas. Voilà, c'est bien. C'est bien, il a fait une pierre de coups, bravo à lui. Je heal jamais, c'est merveilleux. C'est arrivant déjà. Ah non, mais justement, c'est bien. Je sais pas ce que je dois faire avec ça. Je sais plus, c'est toi qui l'as aussi, mais. Oui, voilà, fallait juste faire ça, ok. Ok, faut pas croiser les fantômes, attention, Florence. Raté. Tu es quelque part, du coup. Tu es où, Florence? Face à un fantôme dans un wagon. Voilà, bah tu le bats. Ouh, oui, bien sûr. Bien joué, bravo. C'est bon, t'es revenu? Pas encore? Ah non, pas encore. Je suis en train. Il pleut, sache-le. Hop là, le train est parti. T'as raté le train. Oh non, j'ai raté le train de la haie. Non, le revelà. Attention. Mets-toi par ici, je sais plus où est-ce qu'il faut aller. Pas l'endroit. Ah non, faut les taper, c'est tout. Attaque de groupe, hein, t'es plus mortel, tout ça. Hop là. Je suis sur le toit du train, Florence. Faut que tu montes sur le truc. C'est bon, je vais sauter. Bravo, allez, on ressaute dessus. Trop cool, en vrai. Oui, c'est très nice. Faut buter les cheminées maléfiques. Let's go. Boum. Ah oui, d'accord. C'est normal. C'est tout à fait normal. On a infligé 138 000 points de dégâts au train fantôme. Attention, évite bien les fantômes. Ah non, fallait aller sur chacun d'entre eux. Ah non, fallait aller dessus, pardon. Va sur un des fantômes dispo. Merde, j'ai raté. On a raté. Ah non, c'est bon. Il faut les prendre, là, les fantômes. J'avais oublié. Et du coup, tu dois encore te taper contre un fantôme. My bad. J'ai zapped. J'ai zapped. I zapped.
grave cool ce qu'ils ont fait en vrai. Ouais, c'est très sympa. C'est vraiment chouette. Hein. Ah, ok. Attention, des fantômes. Ah, c'est moi qui suis ciblé. Oui, moi aussi. Venez dans la lumière. Mettez-les dans la lumière. Mettez-les dans la lumière. Hop là, voilà. J'ai accédé à un wagon de voyageurs, mais je peux... Ah non, mais tu l'as pas mis dans la lumière ? Ah si. Ah non. Ah si. Non, 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 sinon tu t'aurais pas dû aller dans le wagon voyageur. Et je pense que nous allons finir le boss pendant que tu es dans le wagon. Oh mince. Bah ouais. Ça va le mettre dans la lumière. Mais je l'ai mis dans la lumière, il est dans la lumière. Bah il y écoute, avait deux, ça marchait pas s'il y avait deux. Ah bah apparemment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est terminé en tout cas. Oh non. Hop là. Ça fait trois fois les wagons. Boum. En fait, t'étais dans la lumière, mais t'étais trop près de lui et il t'a chopé, en fait. D'accord. Globalement. Merci Alex Tidia pour les 3 mois. Merci beaucoup. Je sais même plus si j'ai le rouleau d'orchestrion. Moi je fais besoin de celui-là. Je l'ai fait aussi, j'ai roulé un 78 dessus. 85. Putain, bon bah salut hein. Au revoir. Au revoir. Hop là. Il manque un truc que j'ai... Speedrun Elden Ring à la Zilan du coup, putain. Waouh. Sérieux ? Bah apparemment c'est ce qui a été dit. Apparemment c'est ce qui a été dit hein. Merci Supreme Bonjovix pour les 15 mois, merci beaucoup. Ah, contrôle O pour ouvrir ton encastrion. Putain, j'ouvre jamais ce truc là. Ouais, mais t'as pas de fonction de recherche. T'as pas de fonction de recherche. Ah si. Pardon. Complètement tu l'as. Y'a Fall Guys aussi. C'est incroyable. Non, je ne participe... Ils peuvent pas dire tous les jeux. Je ne participe pas à la... De quoi? Ils peuvent pas dire tous les jeux. Je pense que ça joue... c'est lié au compte-gouttes, je pense. Oui, c'est fait me rire la monture, là, tout à fait. Non, non, je participe pas à la Zilana. Rocket League aussi. Attends, ici, t'as tous les jeux qui sont annoncés, là? Je sais pas, en tout cas on me l'a dit petit à petit donc... On m'a dit Worms, Age of Empires 4, Fall Guys, Apex Legends... Apex Riders Republic. Riders Republic. Riders Republic, putain. C'est bon. Rocket League, Pro Soccer Online, Elden Ring en speedrun pour l'instant. Ah oui, sur le même format que Valheim l'année dernière, je pense. Oui, un truc dans le genre, je pense, ouais. Ouais, c'est quoi, déjà, la Zilan, c'est une LAN organisée par Zerator. Avec un cash prize. C'est quoi les dates ? Je ne sais pas. Je demande au chat. Je sais, ça va nous renseigner. Il l'a peut-être pas dit encore, je sais pas. Il l'a peut-être pas encore dit. Dommage de pas avoir une crap game, mais bon, bref. Bizarre, hein. Bizarre. Ah, Jaggy, je suis revenu aussi. C'est désastreux de la part de Zerator, mais bon. Bizarroïde, hein. Enfin, moi, à sa place, j'aurais mis crap game. Mais bon. Ouais. Encore une fois, l'absence de GeoGuessr, quoi. Bon, tant pis, le chat ne me dit pas les dates, donc je mets mute, je lis et je reviens. D'accord. Vas-y. Le dernier jeu sera désigné par vote. Ah bon ? Bah, il y a eu l'an dernier GeoGuessr. Ouais. Mais il y a eu Worms aussi, et là c'est bizarre, ça revient, alors que GeoGuessr ça revient pas, c'est bizarre je trouve. Ah non, le FFSMK on le fait, 100%. Bien sûr que je le fais. Merci Avrel pour les 7 mois, merci beaucoup.
La zone préférée d'Alan Walker, c'est l'avant-dernière. Sans vouloir spoiler, non, bien sûr, celle qui s'appelle Elle fait pipi, globalement. Merci Valix pour les deux mois, merci beaucoup. Ah, bizarre hein, cette histoire. Ah, c'était incroyable, hein, Mehdi. Hein. La zone, complètement ouf. Hein. Ce qui est cohérent avec la meilleure zone de Shadowbringer, oui. Tout à fait d'accord. On n'a pas envie d'en partir de l'avant-dernière zone, surtout la cinématique de fin. Une dinguerie, une des meilleures, si ce n'est la meilleure cinématique de toute l'histoire du jeu en vrai. Vraiment complètement ouf. Vraiment, vraiment fou. Une belle dingue, quoi. Tu as fait ou comptes faire les raids Walker en Savage? Je compte les faire. J'avais commencé le premier en Savage. Et j'ai dû faire d'autres choses. J'ai pas, comment dire, persévéré dedans. Pourtant, on s'en sortait bien et tout, mais ouais. Au bout d'un moment, je vais les faire bientôt d'ailleurs. Je vais apprendre comment ça marche. Soon. Ouf, bonne chance. Bon, t'inquiète. Hein. Ça devrait aller en vrai. Hein. On suit la live letter vendredi midi. C'est possible. C'est possible, ouais, ça m'intéresse. Ils vont parler de la 6.1. Smite, Hot Wheels Unleashed, Slapshot et Shellshock. Je connais quasiment aucun des jeux. Mais Smite. Shellshock, c'est Worms avec des Anx. Des Anx, je sais pas ce que c'est. Des tanks, ah putain, pardon. Ah, des tanks, ok. Ah, ça a l'air des bars. Incroyable, Fenris. J'ai adoré de A à Z Alan Walker. J'ai trouvé ça incroyable. C'est le meilleur jeu que j'ai fait depuis 10 ans. Voilà. Voilà, Fenris. Attendez que tu me dis ça, c'est dans la sauce, pas de Worms. Y'a pas de Worms, mais si, il a annoncé Worms. T'as déjà gagné un vrai prix au Goldstar, tu veux dire le méga cake, toi t'as 1 million là? Non. J'ai jamais eu mieux que 3ème prix. Pourtant, je joue toutes les semaines depuis des années. Hein. Il a l'air un peu désert ce jeu, non? Ouais, c'est un dead game. C'est un dead game à l'heure actuelle. Y a littéralement personne. Tu vois, là je viens de croiser 3 personnes, et ça fait à peu près 5 minutes que je cherche des gens, et je sais pas trop quoi foutre, tu vois. Merci Stanbro pour les 23 mois, merci beaucoup. C'est gris et mort. Bien sûr. Et les 3 personnes, c'est 78% de la commu, bien sûr. Évidemment. Non, je n'accepte pas les requêtes. Désolé, Ruru Nix. Juste un dead game, quoi. Non, en vrai, le jeu se porte hyper bien. C'est. Bon, là, t'as eu Lost Ark qui est sorti, mais avant la sortie, je sais pas comment c'est à l'heure actuelle, c'était le MMO le plus joué au monde. FF14. C'est le jeu qui a détrôné World of Warcraft en termes de joueurs simultanés.
Les joueurs actifs. Du, du, du. Merci Ewen pour les deux mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Trois heures d'attente pour ce coin à un moment. Bah, à la sortie d'Endwalker, à la sortie d'Endwalker, ouais, c'était des heures et des heures d'attente pour la connexion, ouais. C'était assez abusé, il y avait la pénurie de serveurs et tout. Les gens sont à Razatan. Étonnamment, ils sont surtout à Limsa-Luminsa encore. Hein. En vrai, Razatan, c'était, y avait du monde au départ. Je suis revenu. Mais Razatan, y a moins de... Oui, C'est bon, t'as débloqué l'autre, la deuxième ? Ouais, ouais, si, des Nero, ils sont en train de s'engueuler à propos une bouilloire, voilà. Ah oui, c'est vraiment incroyable. Vraiment, je pense que c'est très important pour la suite du lore. Ouais, c'est très important. Tu ne comprends rien, Walker, si tu ne sais pas ce qu'est cette bouilloire. Ah merde. Bien sûr. Alors, deuxième, Sigmastis 2. Oh, c'est celui avec la peinture, ok. Oh non, horrible. T'auras un pinceau, tu sais, en attaque en plus, tu sais, okay. Comme on a eu tout à l'heure. Et en fonction de ce qu'il va faire, il y a 4 peintures au sol et il faut peindre la peinture qui est au sol. Enfin, c'est... Ah, c'est chiant. Ça va aller, Antoine ? Oui, ça va bien se passer. Let's go. Juste tape-le et parfois, quand tu vois que tout le monde va sur une peinture au sol, tu vas là-bas et tu utilises ton pinceau là-dessus, quoi. Ok. Ah, je me souviens plus de cette histoire, hein. Let's go. Le raid normal beaucoup plus simple que le Savage. Bah, comme tous les raids, finalement. Finalement, tous les raids normaux sont plus simples que les Savage, hein. Ça me semble assez logique. C'est logique, effectivement. Ah ouais, celui-là, j'ai jamais fait le Savage. Jamais fait les Omega Savage. De quoi ? Elle est à poil, la dame ? Eh oui. Jamais fait les Omega Savage. Tu vois, t'as 4 peintures sur les côtés, t'en as un avec un... Non, mais moi je suis en cinématique, je vois rien encore. Okay. Cascade pour attaque de feu, hélico pour le tremblement de terre, caillou pour se protéger de la... Il y a 4 peintures sur les côtés, oui, tout à fait. Ouais, et du coup, à correspondre, tu vois, t'as le sort pinceau, là. Ouais. Il faudrait que tu te places sur les petites planches blanches sur le sol, là, en fonction de ce qu'elle va faire. Ah, elle est plus à poil, la dame. Plus la même personne. Il fait quoi là ? Il va faire possession. Il possède celui-ci. Et c'est le feu. Bah, faut prendre la peinture d'eau en dessous. La peinture d'eau ? En dessous de lui. Là, ah, dommage, Florence. Là, en dessous, faut que tu utilises ton pinceau là-dessus, vite. Tu ne l'as pas fait. Hop. J'ai cliqué dessus, mais je pense que c'était légèrement trop tard. C'était trop tard. It was too late. Comment tu vois que c'est l'eau ? Non, mais en fait, il est relié à la peinture de feu, du coup, fallait prendre le truc qui était en dessous, je suppose. C'est lui qui a l'aggro, vraiment ? Ah oui, ça a changé. Hop là. Là, il possède quel tableau, celui-ci ? Ouais, bah, faut prendre celui qui est en dessous, encore une fois. Hop. On est dans un petit avion ! Les petits avions ! Ah, trop mignon ! Ils ont un visage, hein, ces petits avions. Regarde la tête qu'ils ont. Ah bon ? Oui, oui, regarde. Ah... C'est pas une monture ? Non. Comment je fais pour le virer d'ailleurs ? Ah oui, il faut descendre de la monture. Merci à tous. Je pense que tu... Non, mais juste en train de jouer avec. Ouais, bien sûr. Ah, c'est une monture obtenable. Ah oui. Ah bah Florence, tu vas bien ? J'ai l'impression que tu es morte. J'ai l'impression que tu es morte. C'est une plus grande forme. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que j'ai branlé, l'eau. Pas non plus, là. Mmh. 8, 9, 10 avril, l'Asilan. Très bien. Ok. Tu vas pas la faire, toi ? Non, 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 non.
Ok, faut prendre le truc en dessous. Enfin, il faut se cacher, je pense, ou je sais plus quoi. Faut se cacher derrière, ouais. Derrière le tableau, là, comme ça, là. Là où on est. Oui, c'est ça. C'est des petits boss à concept, quoi. Très bien. C'est pendant les élections, Azilan ? Ah bon ? C'est quand les élections ? C'est toi, Florence ? Non. Si, ça doit être ça, c'est le premier tour. Ah d'accord. Parce que Game of Thrones, okay. C'est le 13. Prépare-toi. Florence ? Oui. Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ça marche pas ? Je sais plus ce qu'il faut faire. Remember, qu'est-ce que tu dois faire ? Pourquoi nous on peut pas ? Putain, je me souviens plus. C'est à lui de faire ça avec Maître Typhon, là ? Ah, c'est lui qui doit pousser les plumes avec... Ah oui, il faut être loin des plumes. Je sais pas trop où il faut aller, mais... Ah, il y a qu'un seul Typhon, c'est ça. Ouais, je fais un peu les choses de façon Google, hein, je sais pas comment. Eh bah, c'est tout foiré. Ouais. Let's go. Ah, pourquoi je suis relié ? Ah non, oui, si, ok. Oui, c'est ça. Tac. Sur moi, les gens. Comme here, guys. J'y vais, je vais mourir, je pense. Oui, n'y va pas. Désolé de faire... Non, mais c'est normal de pas revenir là-dessus mais... quand tu viens de revenir. Est-ce qu'on est limité en termes de niveau au niveau de la gratuité de F14 ? Oui, c'est jusqu'au niveau 60. Mais par contre, pas de limite de temps. Oh putain, il fait le feu aussi. Ok, c'est doublette. Faut prendre le truc de feu derrière aussi. Oïe ! Merde. J'avais pas vu. My bad. Ah, il le fait en double. Franchement, je ne comprends rien. Tac. Non, mais en fait, en gros, quand il va dans un tableau, faut s'associer au dessin du dessous, en fait. Globalement. Oh, mais il y en avait deux. Oui, il y en avait deux. Il combine deux trucs, donc faut s'associer à deux. Exactement, c'est ça. Il fallait pas choisir entre... Non, fallait faire les deux. C'est ça. Ok. Exactement. Tac, 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 tac. Niveau 60, c'est 100 heures mini. Moi, je pense même que c'est plus, en vrai. 100 heures, c'est rusher pour arriver jusqu'à... Ah ouais, jusqu'au niveau 60, je trouve. Il est largement plus. Là, ça veut dire que vous faites que la quête principale et encore que, hein. Alors là, il est relié à deux trucs encore, tu vois. Il est relié au petit avion. On va prendre le petit avion. Plus le truc de feu. Donc, faut prendre... J'aurais pas dû faire ça dans ce sens-là. Ouais, ok. Plus. C'est bon, je crois. Oui, Remember is dead. Tac. Et toi, t'as pris cher. Remember qui a pris cher. En Savage, doit être bien dégueulasse celui-là. Hein. Ouais, de ouf. Jackie est dead. Hop. Il change quasiment pas en Savage. Ah ouais ? Du coup, il est facile. Tac, 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 tac. T'as des Savage plus faciles que d'autres en vrai. Au revoir à tous. Hop là. Bravo à toi aussi, bravo à toi tu. Bien joué. BJ. BJ. Je suis au milieu de Devensward dans 80 ans en faisant quasiment que la MSQ. Ouais, c'est ça. Merci Brad Pitt pour les 5 mois, merci beaucoup. On a des fonctions limitées en gratuit, non? Alors, je crois que vous n'avez pas accès aux servants.
et... Mais pas que ça avant, à l'hôtel des ventes. En fait, tout ce qui va être l'aspect online, entre guillemets. Non, pas l'aspect non, online. Communautaire, en fait, c'est ça que je cherchais. Communautaire. Ouais, t'as pas accès à l'HV, t'as pas accès à. T'as pas accès à l'HV, t'as pas accès aux servants, tu peux pas envoyer de demandes d'amis, mais tu peux en recevoir. Tout à fait. Tu peux pas rejoindre une compagnie libre. Oui. Et honnêtement, moi, c'est des choses, j'ai très longtemps joué en gratuit, et c'est des choses qui m'ont pas manqué, en fait, en tant que telle, parce que quand t'es au début du jeu, tu vas pas spécialement sur l'HV, le jeu est suffisamment généreux avec ce qu'il te donne pour que t'aies pas forcément besoin de ça, quoi. Tu veux pas trade, HV, t'as 304 gil max, tu peux pas créer de groupe, mais tu peux en rejoindre un. C'est ça. Tout à fait. Il faut que tes potes t'invitent et tout, machin, mais en vrai, ça se fait, hein. Moi, j'ai longtemps... Ah oui, et tu veux pas murmurer, tu peux pas murmurer. Oui. Et envoyer le message direct à quelqu'un. Beaucoup de limitations sociales, tout à fait. Donc oui, pardon, quand je disais aspect online, je pensais à aspect communautaire du truc. Ouais. Mais ça ne rend pas du tout le jeu injouable ou quoi. Hein. C'est, si vos potes sont mis dans un groupe, c'est bon. Hein. Ouais, tu es exclu socialement. Oui. C'est ça. Tu peux rejoindre des link shell pour côté social, bien sûr. Mais il y a un milliard de Discord dans tous les sens. Ce qu'on disait, si tu fais la quête principale en ligne droite, on a pour combien d'heures à peu près? Jusqu'à la fin d'Evan Sword? Ouais. Entre 120 et 150 heures, je dirais. 120, 150 heures, en tout cas. Ça. Mais ça, c'est si vraiment vous faites que la quête principale et vous aurez envie de faire quelques quêtes secondaires bleues, donc c'est les quêtes bleues qui sont assez cool et tout pour certaines. Le truc très important à faire, hein, c'est les quêtes de classe. Ouais. Quêtes de classe. Moi, je pense que j'ai mis plus que 150 heures pour faire jusqu'à la fin de Mansfield. Oh bah moi, c'est certain je aussi. Je prends vraiment mon temps et moi, je suis une slow runneuse, donc... Mais moi, je joue DPS et je jouais tout seul. Donc je peux te dire que moi j'avais des queues parfois quand je jouais à 3h du mat. Ouais, tu m'étonnes. J'avais des queues qui étaient très très longues. Tu m'étonnes. Exactement. C'est quoi un link shell? C'est une sorte de canal de discussion en gros. C'est mieux, je finis juste ma cinématique et je reviens quand j'ai terminé. Oui, oui, vas-y. Oui, le link shell, on n'y a pas accès bien sûr aussi. Le link shell, c'est ça, c'est des... en gros, c'est les link shells dans lesquels tu fais partie. Il y en a un qui s'appelle... Ah, il a disparu. Le link shell la commu, hein, remember? Non, c'est peut-être dans commu... Non. Ah, il a disparu. Ah non, la commu, c'est un link shell intermonde, c'est ça. Sauf que c'est déjà max. C'est 64 par link shell. Et que 2 heures en DPS. Ouais. Ça a pu arriver, hein, quand je joue en pleine nuit... sur des trucs un peu plus obscurs, ou des trucs qui sont pas vraiment farm, et qui tombent rarement en roulette. Merci Sam Family pour les 5 mois, merci beaucoup. Sinon c'est payant tous les mois, ça c'est 10,99€ par mois, sinon. J'ai entendu dire que tu veux changer de classe n'importe quand aussi, oui, tout à fait, regarde là j'ai mes classes là, et hop là. Enfin je suis déjà mage blanc, là je reviens machiniste, mage noir. Dancer, pêcheur, mineur, paladin, sage. Aucun problème. Aucun problème, tout se fait sur le même personnage. Absolument. J'ai dû convaincre mon avocat en érudit pour bypass les queues. Je me sentais sale au début. Aïe aïe aïe. Donc si t'as pas envie de queue 12 heures, tu peux passer healer, c'est cool comme système. Oui, mais sauf que tu vas pas monter ton niveau de ton DPS du coup. Tu vas monter les niveaux de ton healer, dans ce cas-là. Y'a pas un DLC qui sort bientôt? Alors pas un DLC, mais bientôt il y aura la 6.0... La 6.1, pardon. La 6.1 qui va sortir. Enfin, bientôt. Je suppose que ça sera bientôt, en vrai. Les niveaux sont class locked? Oui, tout à fait. Par exemple, mon machiniste est niveau 90. Mais si je prends mon invocateur, il est niveau 63, tu vois. Bon, tu vois, j'y ai pas touché depuis la mise à jour, du coup, il y a plein de trucs qui sont plus là. Et par exemple, mon orfèvre, il est niveau 90. Et mon tanner, il est niveau 80, tu vois. En fait, c'est comme ça que ça marche. Merci Bob, le bricoleur de voiture, pour les 8 mois, merci beaucoup. Désolé si la question a déjà été posée. Comment décrirais-tu la commu francophone sur FF? Très cool, en vrai. Vraiment sympa. Vraiment nice.
ça va. Merci Akiriz pour les 4. Non, merci beaucoup. Et comment ça se passe vis-à-vis du gratuit jusqu'au niveau 60? Ben, on vient d'en parler. C'est sans limite de temps de jeu, c'est-à-dire tu peux jouer 100 millions d'heures si tu veux, tu seras pas limité. Par contre, tu seras qu'au niveau jusqu'au niveau 60, donc c'est-à-dire le jeu de base plus la première extension, Heaven Sword. Et tu n'auras pas accès aux servants qui te permettent de mettre en vente sur l'HV. Tu n'auras pas accès à l'HV non plus. Tu ne pourras pas murmurer aux autres joueurs. Tu ne pourras pas créer de groupe, mais tu pourras en rejoindre. Tu ne pourras pas ajouter des gens en amis, mais tu pourras accepter des demandes d'amis. Donc tu es limité socialement quand même. Une suite à l'épopée après No Walker sans spoiler. Oui, c'est comme tu as répondu Issa Lira, c'est un nouvel arc qui commence parce qu'ils ont fini le scénar qu'ils ont commencé avec Rim Reborn avec Anne Walker. Et c'était incroyable. C'était incroyable. Ils ont réussi à tout bien faire, en fait. Tout wrap up. Vraiment, tout est bien emballé, tout bien fait, tu vois. Vraiment trop trop bien, incroyable. Ouais, tout s'imbriquait parfaitement. Exactement. Regarde la lecture de vendredi. Alors, si je la regarde pas, je la mettrai en rediff, hein, bien sûr. La méga chiale, ouais, j'avoue, la fin de Anne Walker, c'est émouvant de fou. Hein. Ah, je suis pas spécialement d'accord avec toi, Jaggy, en vrai. Moi, ça me va. Hein, que ce personnage-là arrive un peu tard. Ça m'a pas dérangé, en vrai. Ça pourrait passer pour un Deus Ex Machina, mais je trouve pas, tu vois. Est-ce que j'ai changé d'avis au final sur le Z à la fin? Non, je trouve ça toujours... Ah, ça par contre, c'est vraiment le point noir de l'extension, je trouve. Le Z, ceux qui ont fait le jeu savent de qui je parle. Je trouve que c'est vraiment le point noir de Endwalker, ça n'a rien à foutre là. C'est un très très mauvais personnage, je trouve. Et je trouve qu'il... Comment ça se finit, c'est pas bien, ouais. Enfin, je sais pas. Le Z, ouais. Ouais, jure, il y a Zem. Ah, c'est un peu le Zem... c'est un peu le Zem du jeu. Ah, j'aime pas du tout ce personnage. C'est le pire personnage du jeu pour moi. Et... bref. Quand tu compares à d'autres, genre Emmett, hein, bien sûr, évidemment. Emmett. J'aimerais développer une autre classe DPS pour l'instant, et j'hésitais entre machiniste et ninja. Alors, rien à voir les deux. Mais j'ai aussi entendu dire que le bard était cool. Pour un débutant, vous conseillez quoi? En gros, je retiens que ninja est un peu compliqué. DPS à distance, c'est plus simple en vrai, parce que bah, t'es moins dans le positionnel, t'es pas forcément collé au boss. Donc si t'es vraiment débutant, effectivement, bard ou machiniste, c'est pas déconnant. Après, si t'es débutant, t'auras pas accès tout de suite à machiniste. Il commence à partir de la première extension. Alors que bard, c'est arché à Gridania dès le départ. Et du coup, voilà quoi. Dancer, c'est super simple et très satisfaisant à jouer. Ouais, c'est trop bien, Dancer, j'aime beaucoup aussi. Fait pas beaucoup de damage en vrai, et encore, ça a été buff récemment. Mais moi, j'aime beaucoup Dancer, je trouve ça très sympa. Mais par contre, ça commence niveau 60, hein, Dancer. Merci Lilux pour les 7 mois, merci beaucoup. Des théories pour le nouvel arc? Pas tellement. Et je veux pas trop en parler plus que ça non plus, tu vois. Parce que là, ça voudrait dire plein de choses. Je vais éviter d'en parler, tu vois. Il y a des trucs, de toute façon, un certain personnage que j'ai nommé il y a pas longtemps te tease des choses que tu vas avoir à la fin d'Endwalker. Tu posais des questions sur plein de trucs que t'as jamais vu. Hein. Et il te fait une liste de trucs. Petit Galmémet, j'avoue. Est-ce qu'Antoine a dit quand il prévoyait de refaire Elden cette semaine? Je veux pas rater la finition du boss. Soit demain, soit après-demain. Promis. Un des deux. One of the two.
Je me questionne aussi au niveau du sens à développer un perso avant la fin de la MSQ. À voir. Généralement, si tu suis la MSQ normale, tu seras niveau max bien avant la fin de la MSQ. T'as pensé quoi de V, la maman ultime? On peut parler des noms des persos, ça veut rien dire. Hein. Venat, si t'as pas fait le truc, ça veut rien dire. Pour moi, c'est le meilleur perso de Endwalker. Meilleur perso de Endwalker. Là où Emmett était le meilleur de Shadowbringer, bien sûr. Et le meilleur du jeu tout court, pour moi. Mais oui, Venat, incroyable. Maintenant, sinon, je joue Dragoon et j'aime toujours autant cette classe. Ouais, Dragoon, c'est cool, en vrai. Bon, c'est un peu moqué parce que il y a plein de joueurs qui se suicident avec, on dit que c'est le tank du sol, floor tank. Mais non, c'est une très bonne classe, Dragoon. Très très belle en plus de ça. Ah, Isodeus, très cool aussi. Trop trop bien. Ouais. On parle pas assez des mages rousses qui se suicident aussi. Ah ouais? Non, effectivement. Pour moi, les classes suicides, c'est vraiment Dragoon et mage noir. Hein. En vrai, toutes les classes sont très cool. Hein. Il n'y en a pas une seule qui est à chier à part érudit. Et toutes se valent, tu vois. Donc vraiment, c'est ça qui est cool aussi. C'est vraiment sympa, quoi. Je vous troll, hein, bien sûr. Évidemment, érudit, c'est très bien. J'en ai connu des biens. Hein. Je le redis, hein, j'ai un petit érudit en bas de chez moi. Il m'a jamais posé de problème. C'est bon, quoi. La rota du Dragoon n'est vraiment pas simple avec les hors GCD à caler au bon timing pour avoir tes spells au bon moment, quel enfer. C'est quoi apprendre, quoi. Moi, je trouve que Machiniste, c'est super simple. C'est pour ça que j'adore. C'est vraiment ultra facile. Après, je sais pas si c'est vraiment si facile que ça ou que c'est parce que j'ai genre 5 milliards d'heures sur le Machiniste. Mais je trouve ça vraiment facile, le Machiniste. En plus, c'est vraiment une classe teubée, c'est vraiment pas une classe support. T'as un truc de support, c'est ça. Tacticien. Tu le fais quand tu sais qu'il va y avoir un Red Buster ou un rassemblement. Et puis salut. Hein. C'est très très facile. Hein. C'est vraiment une classe teubée. Hein. C'est que de l'attaque, que de l'attaque, que de l'attaque. Là où le Bard, t'as toute l'histoire des champs et tout. C'est un peu plus complexe, tu vois. Même HL, c'est facile. Le jeu en HL, tu veux dire? Bah ça dépend quoi. T'as du Savage et de l'extrême plus facile que d'autres, et t'en as qui sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus exigeants en tout cas. T'as certains combats où la moindre erreur n'est pas pardonnée, quoi. Je parle pas par les joueurs, mais par le boss, hein. J'ai tous les healers au max et jamais je ne toucherai à érudit, même sous torture. Ah ouais, t'aimes vraiment pas? Moi, c'est Sage où j'ai vraiment adoré, hein. Sage, c'est vraiment trop bien. Bien, toutes les animations, elles sont incroyables, les animations du Sage. Elles sont trop, trop bien, il est incroyable. Je suis l'eau. Il est assez technique, hein, par contre. Hein. Oui. Je suis là. Oui, tu as débloqué, du coup, la suite? Oui, je suis Sigmatis 3. 3. Ah, celui-là, c'est le gros tank, il va invoquer plein de mini-boss pendant le long. Ah. Chic. Il va falloir les buter un par un. Les équipes composées dans plusieurs gens, je vois un job restreint. C'est peut-être Remember ou qui doit être. Remember, tu vas toujours être là ou quoi? Rem s'est suicidé? What? Qu'est-ce que t'as fait et comment tu peux. C'est bon? Ok. En mage bleu? Ah oui, d'accord. Mage bleu, hein, c'est vraiment autre chose. Let's go! Let's go! C'est l'avant-dernier du coup, non? Avant-dernier de la série de 4 que tu fais là. Il y en aura 4 autres après. Ah, il y en aura 4 autres après, c'est Omega là ? Il y en a 12 en tout. Mais je croyais que c'était 8. Non, c'est 12. C'est des teams de 8. C'est des teams de 8. Il y en a 12 en tout. Ah, mais je sais pas si je finirai ce soir. Ah, je pense pas, non. Ah oui, c'est Red FF6. Ça. Sigma 4 au moins, s'il vous plaît. Oui, je pense qu'elle va faire Sigma 4, effectivement, oui. De quoi ? Je pense que tu vas faire Sigma 4 dans tous les cas.
Enfin, le quatrième, oui, que oui, tu, oui. Le et suivant. En fait, je pensais que ça s'arrêtait là. Je sais pas pourquoi je me disais ça finissait au. Non, c'est Delta Stis, ensuite c'est Sigma Stis que tu fais là, et ensuite à la fin, ce sera les 4 Alpha Stis. Ok. Non, bah, je vais finir. Oui, Sigma 4 en plus, c'est Kefka, bien sûr. Kefka, le méchant de FF6, un des méchants les plus iconiques de l'histoire du jeu vidéo, bien sûr. Bien sûr, j'étais bien placé, let's go, guys! Hop là. J'ai envie de crever. Faut se placer sur le côté du boss, hein, globalement. S3, le boss of Ozef, ouais, j'avoue, celui-là, c'est vraiment pas le meilleur. Là, il fait juste pop des mobs. Orthos, c'est des boss de FF6, tu vois, sur l'écran derrière, il y a leur design dans le... Dans FF6. C'est vraiment cool d'avoir des clins d'œil de la licence. Ouais, ça récompense les joueurs de longue date, tu vois. Les gens qui diront c'est du fanservice, moi je trouve ça cool. Ah mais ça en est complètement, mais le truc c'est que c'est du contenu optionnel en fait, le fanservice. Ah oui, c'est ça. Le fanservice c'est un contenu optionnel dans le jeu. Hop là. Faut buter Orthos. Ouais, Orthros. Je suis dessus. Ouh là là, je suis très mal placé. Au secours! Ouh là là. Je fais de la merde, moi. Je fais full de la merde. Jaggy est dead. Once again. Let's go. Debout! 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 Va pas dans le truc rouge sur le côté. Hein. Oui, mais j'ai été projeté. Et quand il va faire ce truc-là, il faut que tu te mettes assez proche de lui et loin de... Faut qu'on ait chacun une boule. Bon, bah ok, ok. Y'en a un qui a pas été dans sa boule. Oh! Béboule! Béboule! Faut buter Dadaluma, la capitale de la Tanzanie. Let's go. Hop là. Attention de... Ouais. Quand il charge son laser comme ça, faut pas rester j'étais devant. J'étais bien dedans. Hein. Ouais. Bah alors, qu'est-ce que tu fous, toi ? Ah, j'ai l'impression que notre... Ah non, le samouraï, j'ai l'impression qu'il était AFK. Faut éviter les missiles ! Attention, il y en a partout. Et attention. Bien joué, tu les as bien évités. Bravo. Bravo moi. Bravo toi. Hop là. Faut rester loin de ces merdes, je crois. Ça semblerait logique. Je sais plus ce qu'il faut faire. Oh non, ok. C'est quelqu'un qui a... C'est pour le off-tank, ok. Ça, assise, c'est une des meilleures attaques de tout le jeu, je trouve. Incroyable. Il faut buter le petit avion sur lequel on était tout à l'heure. La force aérienne. Tac. Approche-toi, Jag. Hop. Faut qu'on soit 3 par truc. Allez. Allez, je vous attends. Je vous attends. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Il faut pas rester. Faut juste l'activer. C'est bon. Oui, c'est bon. Ah, je crois qu'il fallait rester dedans le temps que tu finisses ton truc.
Il faut buter Bibliognost. Et également le bibliographe là. Bibliotaf. Attention. Oh putain, eh oui, bien sûr. Je dis attention et c'est moi qui me le prends. Hein. Let's go. C'est good. Attention, je faut peut-être pas être en face. Je sais plus ce que c'est ce truc là. Ah non, c'est bon, c'est juste le Red Buster. Tuk 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 tuk. Tranquille. Ah non, il est pas complexe le mage blanc, c'est un des plus simples en vrai. Mage blanc, c'est très très simple à jouer. Ouais, c'est lui le plus simple à jouer, je suis d'accord. De très loin même. Buter la force aérienne une fois de plus. Tac. Ouais, c'est terre, giga terre. Tu soignes quasi jamais. Bon, après, à ce stade de jeu, oui. Attention, les missiles, ils sont de retour. Les missiles sont de retour. Let's go. Boum, 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 boum. Attention à ne pas rester devant son fil doré. Et loin de ça maintenant. Sans toucher le bord rouge. On a un mort. Boum. Debout. Pardon, je suis très focus hein, quand je suis en combat à chaque fois. Bien sûr, bien sûr. Je parle pas. Pas de problème. Alors là, je pense que c'est le travail du off-tank de faire ce truc-là. Bien joué. Enfin, des deux tanks en vrai. Je pense qu'on peut buter le gardien sans buter Dadaluma. Il lui reste plus rien. Il lui reste plus rien, let's go. On le défonce ce bâtard. Attention, pas devant lui. C'est bon. Ah. C'est toi qui es morte? Non. Non, c'est l'autre barde qui est mort. Debout! Là-bas! Ah, moi je fais référence à Valérie. Hein. À Valérie? Valérie Pécresse. Debout! T'as pas vu cet extrait de son discours? C'était le dernier là, le Forex là? Oui, oui, oui. Ah, j'ai pas vu ce passage là, je pense. Mais ce que j'ai vu, je n'ai déjà trop vu. Oh putain, j'ai toutes les merdouilles. Ouais! Terrible, ça ne te servira à rien du tout! Bah ouais, et puis en plus. Bah tu les jettes, hein! Ouais, je vais les jeter ou les vendre. Tu peux pas les vendre. Ah, bah, je vais les jeter alors. Sauf si on aime le glam. Oui, bien sûr. Si tu veux le glam, effectivement, de ces trucs-là, tu peux effectivement les changer contre de l'équipement. Je reviens, je continue et je te dis pour le dernier. Ouais, vas-y, vas-y. Let's go. Merci, bien sûr. Merci Porto Tricot Arico pour les 5 mois. Merci beaucoup. Une ref HP? Comment ça? Quand tu dis HP, tu veux dire au potentiel, Harry Potter ou hôpital psychiatrique? Ah, faut pas faire ça, sur 94. Je sais que tu veux pas mal et tout, etc. Mais faut pas commander les raids et tout. Ah, Hewlett-Packard, bien sûr. C'est lequel mon donjon préféré? J'aime beaucoup. Oh, y en a trop. En fait, il y en a trop qui sont incroyables. Mongulg, j'aime beaucoup. Énorme spoiler, mais sauf que vu qu'il n'y a pas de contexte, ça veut rien dire. T'as réussi le jump de Razatan, bien sûr. Mais moi, ce que vous savez pas, c'est que moi, je suis un fan absolu des boules bleues dans le jeu, c'est-à-dire les trucs cachés. En tant que fan de GeoGuessr obligatoire, bien sûr, carnet d'exploration, j'ai littéralement, bon sauf Rim Reborn parce que lol, j'ai tout, je les ai toutes, toutes, j'ai toutes les boules bleues,
Je suis passé pour la première fois niveau 90 en prenant une boule bleue dans la dernière zone de Endwalker. Elles servent à quoi ? À rien du tout. Littéralement à rien. Oh, t'as le puzzle jump, effectivement, de Razatan. Il est par là. Enfin, je vais pas réussir, je me souviens plus comment il se fait vraiment. Je sais même plus comment il commence. Je crois que c'est derrière. Meilleur PNJ, hein. Je prendrai jamais cette quête ever, bien sûr. C'est par ici, hein. C'est ça. Ouais, c'est là. Pour avoir accès au jardin sur le toit de la ville. Là, je crois qu'il faut descendre. Je sais plus, je crois. Hein. Ouais, faut aller là. Et là, pour monter, comment on fait pour... Ah, faut monter là-dessus, je crois. Ouais. C'est ça, puis ensuite, t'as ça. Ça. Là. Hop. 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 Tranquille. Hop. Hop. Tac. Ensuite, il faut aller derrière, je crois. Je crois qu'il faut aller derrière... Ou par là ? Ah, c'est par où ? Ah non, c'est là. Tac. Hop. Hop. Et voilà. Et du coup, t'as accès au jardin sur la ville. Il y a une boule bleue au milieu. Sur ce truc-là. Razatan est une des plus belles villes du jeu, mais il pleut tout le temps là-bas. C'est terrible. Tu ne trouves pas que certaines cinématiques importantes auraient mérité un dialogue audio plutôt que uniquement écrit ? Bah dans Endwalker, il y a énormément. Ça m'a vraiment frappé. Énormément de cinématiques doublées. Plus t'avances dans le jeu, plus il y en a. Plus ils ont eu du budget en vrai, hein, surtout ça. Au début, t'en as pas tant que ça. T'en as vraiment juste les très très importantes qui sont doublées. Je trouve ça juste un peu dommage que les cinématiques du raid, justement, de Endwalker soient pas doublées. Oui, ils avaient montré les stats des cinématiques de toutes les extensions, tout à fait. Ouais. On peut se procurer Endwalker, c'est toujours bloqué à l'achat. J'ai pas su cette histoire. Ah non, c'est plus bloqué, tu peux... Tout est redevenu normal. La suite du raid est sortie d'ailleurs. Ah non, pas encore. Pour l'instant, t'as juste les 4 premiers boss. Ouais, Razatan, j'ai vraiment beaucoup aimé cette ville. Très très nice. Surtout vraiment quand t'arrivais à... Quand Endwalker est sorti, il y avait vraiment une effervescence là-bas. Hop là. Il y a une zone qui ressemble à un genre de ville française. Genre un village... Non, il n'y a pas vraiment de zone qui ressemble à une ville française. T'as des villes qui font un peu... Ah, t'as... Si. T'as Ishgard, c'est Strasbourg. Ishgard, c'est Strasbourg. Oui, oui, effectivement, c'est l'Alsace. Bien sûr. Et je garde... Mais surtout cette partie-là, attends. Avec les maisons à colombage. Les maisons à colombage et tout. Bien sûr. Ouais, c'est l'Alsace. C'est l'Allemagne. Et je garde, hein. Incroyable ville. C'est littéralement Strasbourg, quoi. Mais ouais, Evansward, c'est très médiéval européen. Stormblood, c'est médiéval asiatique. Pas que japonais, hein. Vraiment, t'as japonais, t'as Japon, Chine, Mongolie, Inde... Complètement. Et le boss le plus compliqué du jeu, toute extension comprise. Ça doit être Alexander Ultimate, je pense.
Je pense que c'est ça le boss le plus compliqué à l'heure actuelle du jeu. Moyen-Orient un peu aussi, oui, tout à fait, effectivement. Merci KefQuest pour les 6 mois, merci beaucoup. Bahamut Fatal. Ah, peut-être, je fais pas les trucs en Fatal. Ah, Bahamut Fatal est encore plus nul, putain, c'est ouf. Plus difficile que le dernier boss du Rednir. Le dernier boss du Rednir, il est ultra facile. C'est le boss avec les trains, là. Il est ultra facile, ce boss, je trouve. Je trouve que la petite fille en rouge est plus difficile que le dernier boss du Rednir, en vrai. Ah, le petit chapeau en rouge, exactement. Non, j'ai pas fait Nier Automata. Je sais que c'est des grands jeux de fou et que j'adorerais, j'en suis certain, mais j'ai jamais fait, non. Je le ferai probablement un jour. T'ambiance ici, quand même. Je suis là. Re. Tu as débloqué Sigma 6-4 Stigmatis 4.0, ouais. Oui, tout à fait. C'est Kefka, c'est le boss de fin et le méchant de FF6. Trigger Warning Clown, par contre. Ah oui, Trigger Warning Clown, effectivement. Mais bon, normal. Faut savoir que ma première adresse mail, tellement j'étais fan de FF6, quand j'étais petit, elle s'appelait kefka3000@hotmail.com. Voilà. Par rapport à son nom de personnage. Tu la relèves encore, parce que les gens, ils vont t'envoyer des mails ce soir, je pense. Non, je la lis plus depuis 1000 ans. Je sais même pas si elle existe encore. Moi, c'était Flo-Flo Félin. Ah, Flo-Flo Félin. J'aimais beaucoup les félins. Bien sûr. Voilà. Ça faisait sens, hein. Ça, c'est sûr. Let's go. Je me souviens plus de la strat contre Kefka, par contre. Kefka qui a sa forme finale en... Quand tu le fais en... Putain, pas en extrême, en Savage. Là, on l'aura juste sous sa forme de base. Ouais, c'est God Kefka, à la fin, avec les ailes d'ange et tout. Et du coup, t'as la musique, messieurs, dames, évidemment, c'est Dancing Mad. Le thème du boss de fin de FF6, évidemment. Dans la deuxième phase. Attends, sur la deuxième phase, on l'a ici aussi, la deuxième phase de Kefka. Parce que là, c'est pas Dancing Mad, mais il me semble qu'on l'a dès le départ, avec la tour avec les trois éléments, là. En train de bader. Dancing Mad, hein, qui est une des musiques les plus légendaires de l'histoire du jeu vidéo tout court. Qu'est-ce que tu es mignon, Alpha. Alpha, il est incroyable. Alors du coup, mon chat m'a dit qu'il y avait sur le score une peluche d'Alpha. Je me suis empressée d'aller voir, heureuse, et en fait, il est out of stock. Ah ouais, bah oui, c'est une des peluches les plus populaires, je pense, du stock. Ça veut dire qu'ils refont du stock régulièrement, ou maintenant c'est passé? Alors j'en sais rien, j'ai jamais rien acheté dessus, donc aucune idée. Et il a son rire, hein, ils ont mis son rire du coup de FF6. Ah oui, Kefka, il fait des fausses AOE, il blague. Ouais, alors il y a des AOE normales, et quand c'est des AOE avec des points d'interrogation, faut aller dedans parce qu'en fait, c'est les AOE seront ailleurs du coup. Mais viens là, toi, qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce qui est. Mais. Bon. Mais FF6, le faire à l'heure actuelle, ça aurait mal vieilli ou. Non, ça a super bien vieilli. C'est un jeu en 2D, FF6. D'accord. Donc forcément, ça a mieux vieilli qu'un FF7 qui était oui, voilà, du début de la PS, de la PlayStation, tu vois. Non, FF6, c'est incroyable, c'est un chef-d'œuvre. C'est mon FF préféré avec le 7. Et en plus, il vient de sortir en pixel remaster, effectivement. Il faut rester dans la AOE, je crois. Ah bah, je le ferai. Reste dans la AOE, Florence. Hop là. Effectivement. Hop là. Faut être dedans aussi, je crois. Quand il y a les points d'interrogation, c'est genre. Voilà. C'est un peu contre-intuitif, mais. C'est comme ça que ça marche. Ah oui, c'est parti. Dancing Mad.
Le boss de fin de FF6. Incroyable. Ça, c'est vraiment... Mais c'est incroyable qu'ils aient mis ça dans 14. C'était saucé, toi. Non, mais moi, j'étais comme un fou. Quand j'ai vu ce truc-là, c'était... Avec cette zik, en plus. Ouais, fallait pas être trop bas. Je te raise. Donc là, on a la première partie de la tour derrière avec le gros mec, là. Faut pas être dans la haut, faut pas être dans la haut. Hop là. Il est encore mort, le machiniste. Let's go. Waouh, j'avais oublié. Putain, merde. Attends. Putain, mais... J'ai pas le temps de le raise. À chaque fois, je me prends des trucs. J'espère qu'on reste pas le même. Très dommage. Et je crois que c'était le cas. Dans la OE et pas devant la boule bleue. La boule bleue. La boule bleue. Y'a pas de boule bleue. Merde. Cette boule bleue donc. Mais Kefka est un peu plus corsé, hein. Deuxième partie. Incroyable, incroyable qu'ils aient mis ça. Putain, j'avais pas vu mes PM. LOL. Reste pas devant la boule bleue. La boule violette, pardon. I guess. Kafka, personnage de fou. Hein. Vraiment un personnage de fou, incroyable. Putain, mais je me le prends à chaque fois qu'il le fait. Ça me saoule! Tu focus, Anton ? Focus le streamer. Nous arrivons à 50% de sa vie. Attention. Il risque de nous pousser. Reste pas trop au bord, je crois. Je sais plus à quel moment il pousse, en vrai. En vrai, reste pas trop loin de Kefka, de manière générale. Troisième partie. Je sais pas, il faut peut-être pas le regarder. Je crois que c'est un œil géant. Merde. Mais il fallait pas le regarder, effectivement. Cette zik, hein. Incroyable. Et dommage, on n'aura pas la dernière partie avec Kefka parce qu'on n'est pas en Savage. Je crois qu'il faut le regarder cette fois, en face. Aïe aïe aïe. Notre invocateur est dead. Rip à lui. Debout. Debout.
Faut pas regarder la statue. L'énorme statue, tu vois pas que depuis derrière, il y a depuis tout à l'heure des énormes statues qui bougent. Ah, je suis tellement focus sur le buff. Ah oui, tu vois pas du tout en fait le combat. Non, et derrière t'as un énorme truc. Et justement, plus t'avances dans le jeu, Florence, là vraiment conseil, faut pas que tu regardes juste tes sorts et en fait être focus sur le combat, c'est aussi regarder ces trucs là parce que sinon tu vas rater des trucs en fait. Ouais. Très important. Plus ça va avancer, plus ça va être exigeant en fait. C'est pas facile, hein. C'est pas tant simple, hein, effectivement, mais. Pro l'érudit, il a 6 vulnés. Let's go! Pour garder la statue et être sur l'AOE. Il a 7 vulnés, l'érudit! Ouais. Il peut faire mieux encore. Il peut faire mieux. Et pourtant, il prend pas si cher que ça en même temps. Non, c'est un vieux boss, ça. Qui fait ça? Machiniste? À lui de le faire. Ah si, ça aurait été à lui de le faire, en vrai, ça. Ne regarde pas la statue. Ça va être good. Ça va être good. Tranquille, tranquille. Kill tran. Bravo à tous. Hop là. Et on accédera pas au ciel. Oh, le KFK miniature, est-ce que je l'ai? Ah, je l'ai déjà. La mascotte ouais, KFK. Comme disent les gens du chat, c'est effectivement comme moi, je suis pas ultra expert sur le jeu, je regarde encore beaucoup ma barre de sort. Oui, c'est normal. En fait, il faut vraiment que tes yeux ils aillent. Autour, au bout d'un moment, plus tu joueras, plus tu auras vraiment de la mémoire mécanique par rapport à, ouais. À comment. Là, c'est... je faisais un petit peu plus à un moment donné, mais là, comme ça fait un petit moment que j'ai pas joué, je fais un petit peu plus perdu. Ça va revenir, je pense. Il faut de la constance. Et ouais, en fait, en gros, tu te balades de ta barre au jeu de manière générale, en fait. T'as trois trucs à regarder, ce qui se passe à l'écran, ce qui se passe sur ta barre, et les attaques que va lancer le boss, tu vois. Il y a une mascotte. Ouais, la mascotte KFK, que j'ai déjà, du coup, si tu la veux. Mais je pense qu'il y a des gens qui attendent pour la voir. Non, je joue bien sa barre, Florence, hein, complètement. Ah bon? Bah c'est quelqu'un qui lui dit dans le chat, mais il faut juste que tu t'es plus l'habitude, je pense, encore. Ouais. Merci Jaffredo pour les 9 mois, merci beaucoup. De quoi? Des fois j'ai pas de chant en cours, je m'en rends compte de plus en plus vite maintenant, mais il y a des fois où je me dis ah merde, ça fait déjà... Moi je me souviens plus... Ah oui, t'es censé avoir tout le temps un chant en cours, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est, hein. Ça. C'est ça. Salut Jackie, salut. Je me mute et bah là tu vas rentrer dans un long truc. Quoi? Je reviens ou pas en fait du coup parce que... Oui, vas-y. Ouais. Vas-y. Je te dis alors. T'as expliqué le fait qu'il y ait le boss de FF6? Oui, tout à fait. C'est tout à fait expliqué. Mais c'est un contenu optionnel encore une fois. C'est des raids donc ça fait pas partie de la MSQ. Comment on fait pour baisser la taille de l'attache SVP? Moi, elle prend la moitié de l'écran. Il faut que tu ailles dans système ATH. Et par exemple, tu prends cette barre-là. Tu la prends comme ça. Et tu la mets par exemple à 80, tu vois. Tu vois, elle est plus petite. À quoi sert la petite créature qui suit? Ah, rien du tout. C'est juste du purement esthétique, Osef. On appelle des mascottes dans le jeu. Il y en a des centaines et des centaines. On est pour ma part 203 pour le moment. Il y en a de toutes sortes et de toutes formes et de tout comportement. Comment t'arrives à te repérer avec tous ces sorts en bas? Je pige R. Pourquoi il y en a tant?
En fait, ça, ils viennent petit à petit, en fait. Au début, quand tu commences ta classe, genre par exemple, le, mon mage blanc, c'est une classe qui commence niveau 1. Et en fait, au début, t'as un ou deux sorts, tu vois. Généralement, t'en as un même. T'as un sort ou deux, je sais plus. Et en fait, plus tu augmentes de niveau, plus tu les gagnes petit à petit, en fait. Et plus tu te familiarises avec. Alors par contre, t'as des classes, genre sage ou faucheur, qui commencent directement au niveau 70, et du coup, t'as déjà pas mal de sorts. Du coup, un des trucs à faire, c'est de s'entraîner. T'as des mannequins d'entraînement, par exemple, dans le jeu. Moi, c'est ce que je fais, genre ce que j'avais fait avec Sage et Faucheur, qui te permettent de familiariser. Et même ce que je faisais, c'est que je les virais toutes. Tu sais, tu peux faire clic droit, supprimer, 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 supprimer. Et je prenais genre la première. Je prenais la première. Et je la plaçais, et je voyais ce que ça donnait. Puis une fois que j'avais compris, je plaçais la deuxième, et ainsi de suite. Et comme ça que j'apprenais, en fait, s'il y a déjà des sorts à l'intérieur. Quel est le boss sur lequel j'ai le plus galéré, toutes les extensions comprises? Franchement, j'en sais rien. Franchement, je saurais pas trop te dire. Ça devait être un des Savage de... des Red Eden, je pense, mais je saurais pas trop te dire lequel. J'ai pas fait Alexander Ultimate, j'ai rien fait en irréel, tout ça. C'est quand la dernière fois que tu as monté un perso? Bon, ça fait pas si longtemps, en vrai. Enfin, une classe, tu veux dire. Étage 12 et Dan Savage, ouais, celui-là, il est... Ah oui, c'est extrême. Oui, ça doit être celui-là, en vrai. Mais en vrai, ça allait aussi, ouais. Ça allait aussi, hein. Eden 8 Savage. Eden 8 Savage, c'est lequel déjà? Eden 8. Eden 8, c'est lequel? Ah oui, incroyable. Celui-là, il est pas... Il est... Ouais, celui-là, il est compliqué, en vrai. Ouais, celui-là, il est compliqué. Musique de fou, par contre. Musique de fou, celui-là. Incroyable, musique, celui-là. Avec tous les trucs des miroirs et tout, ouais. Ah oui, ouais. Comment tu fais pour avoir un attache aussi propre? Moi, ça prend toute la place. Oh, j'ai vu bien pire. Hein. J'ai vu bien mieux que moi, je veux dire. Parce que j'utilise pas grand-chose, en fait. J'ai juste mes sorts ici, j'ai mes classes là. J'ai quelques émotes que j'utilise souvent, plus mes carnets, récolte, artisanat, ma compagnie libre. J'ai la transcendance qui est là aussi, d'ailleurs. J'ai mon rapatriement et la pose de groupe. À peu près tout. Ça par contre, le LB3 du heal, quand tu l'utilises, c'est assez rare en vrai. Moi, je l'ai rarement fait. C'est quand même, tu te sens comme un dieu en fait. La transcendance ultime du heal, elle raise tout le monde d'un coup full life. C'est assez incroyable. Dans l'extrême, j'ai kiffé le farm à l'époque. Moi, j'avais kiffé Ramu de Eden. Il était trop bien, je me souviens trop du passage avec toutes les lances qui étaient plantées au milieu. Et qu'il fallait chacun se placer sur une lance et bam, il te foutait comme ça sur le côté. C'était très très cool. Est-ce qu'il est possible de jouer tout seul ou il faut jouer en team? Ah non, tu peux complètement jouer tout seul. Je suis d'accord avec toi, Yoz. Ça a été longtemps ma musique préférée. Tous les donjons sont en instance multi ou tu peux les faire en solo? Pour l'instant, tu peux pas les faire en solo. C'est forcément de l'instance multi, mais ils sont en train de mettre en place le fait de... En tout cas, pour tout Rim Reborn, pour l'instant, ils vont tout faire pour que les donjons de la MSQ puissent se faire en solo avec le système d'adjuration, c'est-à-dire avec des PNJ qui vont t'accompagner si tu veux vraiment le faire en solo. Merci Raptirul pour les 100 bits, merci beaucoup. Le seul problème du LB3 healer, c'est que tu restes tout le monde pour qu'ils meurent tous 3 secondes plus tard. Bah oui, mais après ça, c'est de leur faute. Ils peuvent pas te blame pour ça. Le boss le plus stylé en termes d'animation, chara design. Franchement, le dernier Dan Walker. Et l'avant-dernier Dan Walker aussi. Franchement, ceux-là, ils sont vraiment, vraiment pas mal. Hein. Bah, il y en a plein qui sont fous. Hein.
Mon avis sur Estinia, spoiler free of course. J'aime beaucoup Estinia. Très sympathique. Ah oui, le titan Mario Kart, le titan quad, ah oui. C'est incroyable, oui. Le dernier Dan Wilker, tu parles de Z? Ah non, pas du tout, non. Tu parles de M. Enfin... ça porte pas exactement ce nom-là, mais c'est... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Le vrai dernier boss passe... Pas... Bref. Merci Branche de Bagnolia pour les 11 mois. Chez l'État pour les 5 mois, merci beaucoup. Ouais, Twitter, je parle de Twitter. Voilà. Je parle de Twitter. Question, si j'ai déjà un compte mais plus d'abos actifs, je pourrais jouer jusqu'à la fin d'Heaven's Sword gratuit. Il me semble bien, oui. Il me semble bien, oui. La plupart des lives sur F14 sont très chill et tu n'as pas l'air d'y faire grand chose. C'est ce que tu as tout fini ou alors c'est le fait d'être en live dessus? Est-ce que tu joues hors live? Tu as un objectif actuel, genre une routine? Oui, j'ai une routine, mais le truc c'est que... À moins que je monte une nouvelle classe, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, si je fais mes roulettes ou des trucs qui me feraient avancer, on va dire, qui me feraient gagner des devises qui m'intéressent pour acheter des trucs ou je ne sais quoi, en fait, c'est du méga spoil, en fait. C'est possible de tomber sur des trucs méga spoilants. Du coup, je préfère accompagner des joueurs qui n'ont pas du tout fini, genre typiquement Florence, là, qui fait un raid qui est complètement optionnel de la deuxième extension. Je préfère faire ça aussi. Parfois, ça m'arrive de montrer des donjons ou des boss et tout, mais ça m'aide pas du tout, tu vois, pour ce que je fais. Et non, mais oui, ça pourrait être cool aussi de monter un personnage, tu vois. Enfin, un personnage, une classe. Je sais pas trop laquelle le choisir maintenant, en fait. Je sais pas, probablement une classe de DPS de mêlée, mais il faudrait que je monte 90 à un... Putain, je suis à 3! À 3 honneurs. OMG. Faudrait que je monte 90 à un tank, mais bon. Pff, la flemme en vrai. J'ai pas trop envie de jouer tank, tu vois. T'as toujours joué avec le même perso et toujours heal? Ah bah non, pas du tout. Non, je joue toujours avec le même perso, oui, mais pas toujours heal. Ma main classe, c'est vraiment machiniste. Ninja, c'est vraiment stylé. Samouraï, ça là. Samouraï, c'est très cool. Je l'ai monté 80, Samouraï, c'était vraiment sympa. Mais j'ai pas eu le coup de foudre absolu. Là où Faucheur, c'est la première fois qu'un DPS de mêlée me fait dire « Ah oui, quand même, c'est très très cool. » Faucheur, j'avais vraiment kiffé. Et tu prends quand même du plaisir, mais si t'avances pas. Tu veux dire là, maintenant? Bah oui, j'adore. Moi, j'adore parler de ce jeu. Oui. Mage rouge. Mage rouge, c'est vrai que ça peut être sympa, tu vois. En fait, j'ai un peu la... Okay. Ah. Allez. Merci beaucoup. C'est gentil. Ne regarde pas le stream, bien sûr. Bien sûr. Je ne vois pas de quoi tu parles, parfait. Est-ce que les sorts sont uniques à chaque classe? Par exemple, peut-on avoir des sorts de l'Eridu ou de l'Ascension tout en incarnant le mage blanc? Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qu'on appelle des actions et des traits. C'est la différence. Les actions, en gros, c'est vraiment ce que peut faire uniquement ta classe. Ah non, pardon, c'est pas les traits, c'est les rôles, pardon, c'est les rôles. Et ensuite, t'as les actions de rôle. Les actions de rôle qui se partagent, par exemple, avec les autres classes de heal. Là, ces trucs-là, tu les as avec les autres classes de heal. Dont la meilleure attaque du jeu, hein. Enfin, le meilleur spell du jeu, secours. Et attaque qui rapproche un de tes teammates. Doudou 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 doudou.
ce court jeu ce soir. Moi, je trouve ça trop bien. C'est un des meilleurs trucs du jeu. Ça sauve des vies, hein. Après, c'est humiliant, hein. Mais ça sauve des vies, hein. Tu veux faire le TF4, un mage noir, tu le secours. Ah oui, ça, j'avoue. Mais après, faut bien se placer, hein. Ça tue aussi des vies, oui. Mais effectivement, si tu faisais le truc contre Suzaku avec le trou au milieu... Tu peux attirer les gens dans les trous, effectivement, oui. Un pote le fait sans arrêt, surtout quand on arrive à un ascenseur, par exemple. Ah oui. Bah oui, hein. Si tu dois secourir un Black Mage, qu'il était mal placé, hein. Ça va droit, regarde tes lives, rediff sur le jeu, tu comptes en faire quelque chose de récurrent, ou alors tu comptes vivre, regarde les sponsors Square Enix, et ne pas polluer ton jeu hors live. Oui, c'est ça, je live uniquement quand c'est sponsor. Tout à fait. Il y a du PVP dans le jeu? Oui, il y en a. Voilà. Je dois admettre, c'est pas du tout un truc que je fais, moi. C'est quand que le petit logo jeune pouce s'enlève? Longtemps. Tu mets longtemps de plus avoir le logo jeune pouce. Le sprout. Et je sais plus au bout de combien de temps. Mais ça met longtemps en vrai. Hein. Merci Thibaut FR pour les 5 mois, merci beaucoup. 240 heures et toujours, toujours jeune pouce. Ouais, c'est très long. Au début du Endwalker, non? Bah non, j'en ai vu des gens à Endwalker, ils avaient le jeune pouce encore. Je suis revenu. Je suppose que t'as pas débloqué Alphastis. Non, parce que là, ça va être hyper long de le faire, le truc. Ouais, probablement. Mais c'est très bien. Parce qu'à chaque fois, il y a une bataille et tout, machin, donc je me suis dit, là, je vais m'arrêter là pour ce soir, je pense. Ok, bah je vais faire de même, du coup, alors. Sauf si tu voulais faire un donjon particulier ou quoi, que j'ai déjà fait, mais... Bah c'est comme tu veux, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait montrer, tu vois. Ça peut être sympa dans ce que t'as déjà fait. Parce que moi, mon mentaliste, il est niveau 23, en fait. Non, mais non, c'est pas des donjons très intéressants, quoi, par exemple. Ah non, mais je parlais plus avec ton barde, tu vois. Ah oui. Avec ton bard, le dernier donjon que t'as fait, c'était Dunmeg. Il me semble que je l'avais fait en live l'autre fois. Il y a Allminster qui est cool, mais après, hors contexte, c'est un peu spécial, tu vois. C'est un peu spé, c'est surtout... Enfin, tu vas me dire, c'est spoiler, mais c'est l'extension d'avant encore, donc... Et c'est le début de l'extension, en fait. Ouais. C'est le début de l'extension, donc en vrai, ça va, tu vois. Genre même, on m'avait dit que je pouvais même montrer le premier donjon de Endwalker, c'était possible, tu vois. Ah ouais? Ouais, je pouvais le montrer. Mais je crois que ça a été levé maintenant, là. Ah, maintenant, on peut tout montrer. Ouais, c'est ça. On peut tout montrer, c'est juste que de mon plein gré, j'évite de le faire, tu vois. J'évite de le faire, c'est tout. C'est 7 heures de jeu, jeune pouce. Et pourtant, toi, Florence, tu l'as encore, le jeune pouce, toi. Ouais. Et pourtant, oui, le jeune pouce, tu l'as hyper longtemps. T'as genre 14 heures de jeu en tout, non? 14 jours de jeu, pardon. J'en ai 19, quasiment. 19, ouais, voilà. Donc non, c'est pas 7 jours, hein. Au final, Shadowbringer, mais encore une fois, non, moi j'ai vu des gens dans Endwalker qui avaient le jeune pouce, hein, le sprout. Hein. Bref, je sais pas, moi ça a disparu au bout d'un moment, et voilà quoi. Mais non, mais moi je pense que je vais recommencer à monter un tank bientôt. Parce que j'ai aucun tank 90, j'en ai 2,80. Ah ouais ? J'ai Paladin 80 et Guerrier 80. Et Chevalier Noir et Pistol Sabreur, j'ai jamais touché. Je vais peut-être commencer Pistol Sabreur en vrai. C'est bien Pistol Sabreur, les gens ? Je crois que c'est pas trop mal, Pistol Sabreur, en vrai. Et ouais, parce que ouais, non, j'ai deux classes de heal en 90, c'est quatre classes de DPS 90. Très fun, j'aime beaucoup, c'est un bon DPS, Pistol, ah oui, d'accord. Après, oui, c'est cool aussi avoir un tank qui DPS un peu. Dark Knight, c'est très cool. Et il paraît que les quêtes de classe de Dark Knight sont vraiment, vraiment bien. Bah, comment ça, je garde d'ailleurs. Pistol Sabreur, c'est génial, c'est un tank avec une rota de DPS. Ok, bah ça me plaît bien, ça, en vrai. Ah mais attends, mais merde, comment j'attrape ça? De quoi? Il y a une boule à l'étendue de Ralgr et je pense... Ah, il y a un petit puzzle jump. Attends, je vais te rejoindre. Ah, les puzzle jump, j'adore. Alors, faudra que tu me dises où est-ce qu'elle est exactement, parce que je la vois plus, forcément. Attends, j'arrive, je vais me TP. Attends, je bouge pas. Je me TP à l'étendue de Ralgr. Une pause pips, par contre. Vas-y. Ah oui, je vois laquelle c'est. Celle qui est en haut, là-bas. Ouais, elle est en face de moi, là. Ouais. Let's go. Parce que je veux bien, mais je vois pas où est-ce qu'il commence. Tu vas voir, regarde. Très simple. Tu es où? J'arrive. Tu sais, on peut pas voler, hein.
Dans l'étendue de Ralgra. Bah je croyais parce que je pouvais sortir ma monture. Tu peux sortir ta monture mais tu ne peux pas. Mais voilà. Regarde, viens, suis-moi. Il y a trop plus cette monture. Par là. Hop. Ah, vas-y, je vais essayer. D'abord, je vais faire un petit pips. J'arrive. Hop. C'est raté. C'est énorme. Ça, c'est le cœur... Quoi ? Non, je parle tout seul. Enfin, je parle au chat. Ça, c'est le cœur du jeu, vous voyez. Tout le reste est accessoire. Super. C'est pour ça que c'est mon jeu préféré. C'est pour ça, bien sûr. Hop. Putain ! Oh, il est chiant, celui-là, parce qu'il est tout collé. Putain, je me prends le truc au-dessus, quoi. Je préfère mille fois la tour de Kugane, hein. Je vais péter un plomb. Ok. 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 Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Dark Knight pire tank pour le endgame. Moi, à chaque fois que je joue heal, plutôt effectivement dans le endgame et que j'ai un Dark Knight, c'est toujours un peu compliqué, hein, effectivement. Puzzle John de Kugane, il est horrible. Ah non, il est trop bien. On peut pas se mettre là en volant, je connais pas du tout des eaux. Non, en fait, ça c'est une mini-ville en gros. Pas une capitale, c'est un petit village, on va dire. Et en fait, dans ces endroits-là, tu peux pas voler. Tu peux utiliser ta monture ici, mais tu peux pas voler. C'est tout. Je suis revendu. Bah, je t'attends en haut. Hein. Tu as réussi le puzzle jump? Oui, je t'attends en haut. Là où il y a la boule, normalement. Je crois qu'elle est au bout du truc. Les boules. Béboule, bah du coup t'as attiré plein de monde, hein. Du coup ça va être illisible. Oui, ouais. Mais en fait c'est bien parce que comme ça je pourrais dire que si je réussis pas c'est parce qu'il y a trop de monde. Bien sûr. Après c'est pas non plus la tour de Kugane je suppose, non? C'est peut-être pas aussi. C'est plus facile que la tour de Kugane, c'est moins punitif. La tour de Kugane j'ai jamais réussi encore. Bah la tour de Kugane c'est déjà une chose d'arriver en haut mais en plus il faut sauter sur le lampadaire. Ouais. Ça c'est un petit truc, hein. C'est illisible. D'ailleurs, pour que la monture vole, il faut finir le la MSQ, le chat. Oui, il faut finir la MSQ si tu veux que ta monture vole dans les zones de Rim Reborn. Et ensuite, pour qu'elle vole dans les zones d'après, t'as un système qui s'appelle les vents éthérés que tu dois récupérer, qui sont donc des petits trucs cachés, en gros. Et ça a été réduit, il me semble, depuis Endwalker. D'ailleurs, il y en a moins maintenant à choper. Bah ouais, il y en a moins. Je trouve ça un peu dommage. C'est un peu dommage. Et une fois que tu les as tous... Tu peux voler dans la zone en question. C'est zone par zone. Non ! Ah, c'est dommage. Ah, t'étais plutôt haut, en plus, j'ai l'impression. Oui, bah ça va. Ouais, il y en a moins dans les zones de Evensward et de Shadowbringer. Et de Stormblood. Dans Shadowbringer aussi, je crois. Hein. Mais moi, le Shadowbringer, je l'ai fait en cours de route alors que Endwalker était sorti. Et les premières zones, il y en avait 10. Et quand j'ai relancé le jeu. J'en ai plus que 5. Ouais, c'est ça. Il me semble, hein. Après, peut-être que je dis de la merde. Bien sûr. Mais c'est une bonne façon de découvrir la zone, je trouve. Il y a des gens qui aiment pas, mais moi j'aime beaucoup chercher les vents éthérés. Ah, moi j'adore ça aussi. Moi, tout ce qui est. De toute façon, c'est géogasseur. Hein. Moi, les boules bleues. C'est le carnet d'exploration que je veux faire aussi. Enfin, pas le carnet d'exploration. Si, c'est ça. C'est ça le carnet d'exploration. Moi, il est full. Non, il y avait. Tu m'avais pas dit. Ah, il y a Rim Reborn. C'est le truc de Rim Reborn, ouais. Parce qu'il faut le temps ou. Ouais, il faut. C'est genre, il faut. Tiens-toi à tel endroit à, quand il fait nuit et qu'il n'y a pas de nuages. Non, c'est un peu horrible ça. Ils l'ont supprimé après. Hein. Oh, ils l'ont supprimé après. Non, ils l'ont pas supprimé, non. Non, mais ils ont assoupli les conditions de. Ah, pour les extensions, oui. Oui, oui. Ouais. Allez, Florence, il est presque. Je te vois, c'est là. Allez. J'ai peur.
Allez. J'ai peur. C'est vraiment ça de la commu. C'est vraiment... actuellement en larmes, en fait. C'est vraiment... Je chiale un max, quoi. C'est sad. J'ai pissé juste avant, mais il me reste de la flotte, quoi, dans ce corps. C'est terrible. Juste en larmes. Mmh. Terrible. Le dernier en haut est ban, hein, bien sûr. Ça va être moi. Ah, il y a des chances, hein. Ah, la pression, Antoine. Quelqu'un qui est venu ici pour la première fois aussi, hein, qui vient de prendre la boule, je viens de voir. L'expo de Rim Reborn est vraiment compliqué avec beaucoup d'organisations. Il faut 3 semaines pour avoir le pop des 80 spots à découvrir. Ah non, c'est vraiment relou. Mais non, mais il y a moins de 80 dans Rim Reborn maintenant. Rien d'exploration. Whoop. Il n'y en a pas 80, il y en a 20. Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis content d'avoir tout débloqué sur tout le reste du carnet par contre. Ça, c'est cool. Allez, Florence. On te regarde. Non, mais il y a trop de gens. Mais eux, ils y arrivent. Bah, je suis une merde, c'est ce que tu me dis. Non, Florence, t'inquiète. Allez. Allez, je ne quitte pas le stream tant que t'es pas arrivé là-haut. Aïe, aïe, aïe. Bien sûr. Merci, Tiffany, pour les 17 mois, merci beaucoup. De quoi? Vous êtes pressés, le chat, ou pas? Ils sont très pressés. J'ai tellement l'impression que FF est légendaire que j'ai peur de me lancer. Non, non, mais t'inquiète, hein, vraiment, c'est très progressif et très cool. Y'a aucun prob. Y'a aucun prob. Je vous dis, c'est un MMO qui est casu friendly. Hein. Ah, complètement. Oh, la monture Omega, trop stylée. Elle est trop cool, la monture Omega. Je vois rien, en plus, il fait nuit. Allez. Si c'est jour, c'est sûr, j'y arriverai. Hein. Allez, tu sais quoi, je vais le refaire. Allez, je me fais tomber. Ça va narguer, ça va être pire. Je fais tomber et j'y vais. Je t'accompagne. Let's go. Allez. Tu vois, je rate. Ça m'énerve. Tu vois, on voit rien. On voit rien. Ça va m'énerver. Mais oui, on voit rien. On voit rien, c'est horrible. Hein. C'est horrible. C'est infaisable. C'est infaisable. C'est infaisable. Tout simplement infaisable. C'est tout simplement infaisable, en fait. Mais je vais péter un plomb. Pète pas un plomb, regarde. Là, t'es bien. Là. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Bien. Voilà. Là, je viens avec toi. Hop. Oui. Bien, vas-y. Bien. Hop. Vas-y. Ah, presque. Vas-y. Voilà, maintenant tu vas sur la suivante. Hop. Attends, tu veux que je le fasse d'abord? Vas-y. Merde. Bah, ouais, raté. Allez, bon courage. Pardon. Hein. Allez. Allez, je vais cut, hein, moi. Ça me rend fou. C'est pour ça que je vous dis que j'ai pas fait la tour de Kugane, ça vous étonne pas, hein. Mais la tour de Kugane est moins rageante, en fait. En fait, la tour de Kugane... Le truc, c'est que... Là, ce qui est relou, c'est que les poutres, elles sont les unes au-dessus des autres, et du coup, tu te prends le truc sur ta tête à chaque fois, en fait. Oui. La tour de Kugane, c'est pas trop ça. La tour de Kugane, c'est... Bon, c'est plus complexe, hein, mais c'est... Et plus long. Mais c'est pas aussi... Relou, je trouve. Dommage, Florence. En fait, faut que tu t'écartes du bord pour celle d'avant et que tu te mettes vraiment en face. Que... Bon, ok, j'ai pas réussi. Bon, j'ai réussi tout à l'heure, mais là, j'ai réussi plus. Hein. Donc, merveilleux. T'as voulu flex, c'est pour ça. Non, j'ai pas voulu flex. J'ai voulu t'accompagner. Quoi? T'as pas arrêté de dire c'est facile, c'est facile. C'est pas dur. Péter un plomb. Allez. Allez. J'arrive même pas à prendre la première marche parce qu'il y a un papillon qui me gêne. Non, le papillon, tu peux pas, c'est pas possible. Si, si, le papillon me gêne, je te jure. Un papillon, c'est la fée de l'érudit. Ah oui, pardon. La fée qui ne sert plus à rien maintenant, bien sûr. On s'est à chier, hein. N'achetez pas ce jeu, globalement. Hop là. Hop là. Merveilleux. Trop bien. T'es où? Oula, allez. Alors peut-être. Il y a quelqu'un qui a mis sa monture au-dessus, ça me gêne. Allez. Allez.
Oui. Mais attends, faut que je le refasse. Faut que je le refasse. Allez. C'est horrible. Bravo, bah voilà. Hop là, bien joué. Bien joué. Je vais tomber comme une merde là. Non. Si. T'es au bout, tu vas scruter. Attends. Et c'est bon. Les gens, ils m'applaudissent, ils sont trop pipous. Ah oui. Bravo, quel exploit. Il y en a une autre si jamais, dans l'étendue de Ralgrin. J'avance tout doucement. On dirait une mamie avec un déambulateur. Hop là. C'est bon, t'es là? La monture? Hein? Non, c'est pas la tête. Non, je suis non, juste. Je suis derrière toi, mais c'est pas moi sur la monture. Merci pour vos GG. Bravo. First try. Attends, mais scruter. Pourquoi ça n'a pas marché? Alors, c'est peut-être une autre émote. Je sais plus ce qu'il faut faire. Peut-être prier, ouais. T'es bien sur la boule, hein? Ouais, je suis sur la boule. Bah, tente toutes les émotes en fait, hein. T'étouffes ton truc d'émote. Souvent les mêmes qui reviennent. Ah, parce que tu cibles une personne en fait. Tu as écrit Maroc Code Teflon pris devant Mili Rinto en fait. Tu ouais, cibles. C'est difficile de faire autrement. Bah non, tu cliques juste dans le vide. Tu cliques juste dans le vide. Tu cliques dans le vide. Pas trop quand même. Mais non, mais quand je clique dans le vide, c'est. Ah d'accord. Ah oui. Bah, je disais pas le bon clic, c'est pour saut. Je pense qu'il y a 14 jours de jeu qui ne savait pas ça. Mais non, mais ça va et. Bizarroïde, voilà. Hein. Bizarre. J'ai une fraude. Ah oui. C'est bon, t'as pu avoir la boule ? J'ai la boule. Bravo. Je crois qu'il y en a une autre, je attends. Je descendrai jamais d'ici. Attends, suis-moi. Vas-y, on descend. Je crois qu'il y en a une autre. Vraiment ? Oui, oui. Je crois qu'il y en a une autre. Viens là où je suis. J'aurais dû prendre un screen, donc j'étais là. Putain. Je crois que l'autre, elle est par là. Pour moi, elle était derrière un espèce de rocher ou je sais pas quoi. Je crois qu'elle est là-bas. J'avais galéré à essayer de la voir. Je crois qu'elle est pas genre par là. Je sais plus où elle est parce que je la vois plus du coup, mais... Je te vois plus. Par là où il y a le monde, là. Je suis le convoi. Elle est pas au-dessus, là, par là? Non, mais il me semblait qu'elle était... Elle était... Ah si, elle est là. Elle est où, exactement? Après une autre. Elle est là-dessus? Ouais. Merveilleux. Attends, mais comment tu la chopes? Mais elle est où exactement en fait? Elle est en dessous. Ah bah faut où ça en dessous? Bah en dessous de là où je suis. T'es où? T'es là? En dessous de là où t'es? Comment ça? Ah faut te laisser... Dans le trou là. Peut-être... Bah je sais plus. Je sais plus comment faire. Faut peut-être te laisser tomber... sur ce truc là? Sur le pilier là où je suis là? Attends, t'es où? En bas là. Ouais. Bah je crois qu'il faut sauter ou te laisser tomber d'une certaine façon depuis là-haut pour y arriver, je crois. Me laisser tomber ou... Attends, je tente un truc. Je tente avec le sprint. Je me demande si c'est pas juste la oh, monture. Oh non, c'était pas loin. Ouais voilà, c'est comme ça. Il faut que tu ailles avec la monture, tu vois, j'y suis là. Avec la monture on peut ouais. Ouais, oui, tu vas avec la monture. Hop là. Plaf. Regarde, je vais te dire d'où sauter. Regarde, je vais te refaire une démo. T'es où? Je suis en train de remonter. Ah, t'es là. Ah, mais t'as pas la monture la plus précise à regarder, je trouve. Tu vois, je saute depuis le bord ici, là. Tu me vois? Sur mon cochon, là? Enfin, non, pas le cochon, pardon, le petit truc abeille, là. D'ici? De là, regarde. De là? Hop. J'ai raté. Ah non, j'ai réussi. Ah, j'ai presque réussi. Mais ouais, c'est de là. Sans utiliser le sprint ou quoi ce soit. Non, bah tu peux pas utiliser le sprint non, en monture. Tu peux pas, ouais. Hop là. Dommage. DMG. Attends, mais les montures petites, j'en ai pas beaucoup, je crois. Hein. Bah ton chocobo, c'était, j'ai considéré comme une... Oui, remarque, t'as comme raison. Un petit, hein. Le jeu a l'air ouf pour l'aspect PvE, mais il y a du PvP des factions. Il y a du PvP, mais c'est assez, ça reste assez secondaire dans le jeu, en vrai. Il y a du PvP. Mais voilà, ça reste assez secondaire dans le jeu, et
oui, t'as des factions, c'est les grandes compagnies. Je vais y arriver. Je suis trop loin là. PVP optionnel, aucun PVP sauvage car pas de faction adverse. Tout à fait, exactement, c'est ça. Il n'y a pas de PVP sauvage dans le jeu, effectivement. Sauvage. J'y suis. Bravo. Bien joué. Où peut-on trouver ta monture? C'est une quête tribale de Shadowbringer qu'il faut finir en entier. C'est les quêtes tribales des Kitari Raktika. C'est les quêtes de récolte. Hop là. Bravo, Florence. Bien joué. Bien joué, bien joué. Bon, allez. Moi, je vais arrêter là. Ouais, moi aussi, je vais m'arrêter là. Merci. J'aurai encore un live à faire dessus. Bah, si jamais t'as envie qu'on fasse des tours. C'est hors de question, bien sûr. Hop là. Ok. Non, mais si, bien sûr, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bonsoir, Florence. Je vous souhaite une excellente soirée. À vite. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bonne soirée à ton chat et bonne soirée à toi. Et bonne soirée de même. Ciao, ciao. Ciao. Salut.